Eh bien, bonjour à tous et à toutes. Bienvenue pour ce nouvel EnviroRisque 2021. Merci d'être là. Merci d'avoir bravé les embouteillages pour être parmi nous. Les derniers vont nous rejoindre tout doucement, je l'espère. Pour démarrer ces formidables deux belles journées, je vais laisser tout d'abord la parole à Pascal Flamand, le président par intérim du Pôle Safe, pour faire l'allocution d'ouverture. Merci Gilles. Et tu m'as demandé d'être très long parce qu'on a pris beaucoup d'avance, c'est ça ? Hop. Bonjour à toutes et tous, chers amis. Avant toute chose, je tenais à vous présenter les remerciements au nom du Pôle CEF pour être présent aujourd'hui et à plusieurs titres. D'abord, sachez que c'est le premier événement en présentiel organisé par le Pôle CEF depuis le début de la pandémie. Donc, savourons-le. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais Zoom et Teams et tous les autres commencent à me sortir par les yeux. Et de ces outils-là, on n'a pas la chaleur humaine et la bienveillance qui se dégage de cette salle. Donc, savourons ce moment tous ensemble. Je voulais aussi remercier nos partenaires québécois et australiens qui seront présents en direct via visioconférence, justement, depuis Canada et l'Australie. Promis, on parlera pas de sous-marins. Et ce regard croisé international a de l'importance pour nos pratiques et pour parfaire notre excellence à tous. C'est très, très important. Merci aussi à nos partenaires, l'Université Gustave Eiffel, la Région Sud, la Métropole Aix-Marseille-Provence et notre hôte d'aujourd'hui, qui est le Technopôle Arbois-Méditerranée. On a un record de participation pour cette 18e édition. Cette participation témoigne de l'intérêt collectif partagé pour les thématiques mises en avant et les enjeux des prochaines années. Totalement en accord avec la mission des pôles de compétitivité, le Forum EnviroRisque est une véritable opportunité de fertilisation croisée entre les milieux scientifiques et recherche, les industriels offreurs de solutions et les acteurs qui sont sur le terrain, dont vous faites aussi partie, les gens qui sont sur le terrain et qui vont utiliser toutes ces innovations. Ce forum est dédié à l'analyse et la résilience face aux événements climatiques extrêmes et fait encore une fois écho aux enjeux du moment. Parmi tant d'autres, je pourrais vous citer la tempête Alex il y a juste un an. Je pourrais vous citer les incendies du Var de l'été dernier. Et puis la liste risque encore de s'allonger malheureusement. Mais il va falloir s'y préparer et il va falloir travailler ensemble sur cette résilience. Nous allons notamment lors de ce forum aborder les sujets suivants. Les différents modes d'acquisition de la donnée. Les outils d'alerte aux populations, la gestion de crise, les moyens aériens, la continuité d'activité et beaucoup d'autres sujets liés à la résilience. Je tenais en tant que président par intérim du pôle, CEF, vous présenter tous nos remerciements pour votre fidélité et votre engagement au cours de ces dernières années. Enfin, cette édition est particulière. Je souhaite la dédier à la mémoire de Claire Anne Rex, notre présidente, qui nous a quittés en juillet dernier. Et EnviroRisque, c'était son bébé. Donc, bon forum à tous, bons échanges et avec toute l'équipe du pôle, on est à votre disposition ces deux jours pour répondre à vos questions, pour avoir vos suggestions. On est là pour échanger. Bonne journée. Tu peux le donner à Anna, s'il te plaît. Merci. Merci Pascal pour ces jolis mots. Merci aussi pour cet hommage à Claire Anne Rex, notre précédente présidente, qui nous a quittés il y a quelques temps. Juste quelques messages avant de commencer la conférence. Le rappel habituel, malheureusement, qu'on est toujours dans le contexte Covid. C'est pour ça qu'on vous demandera de maintenir le port du masque dans l'amphi, ainsi dans tous les ateliers. Voilà, on enlèvera nous seulement pour les intervenants pour qu'on les comprenne mieux. Et puis le respect des gestes barrières. Voilà, c'était le message traditionnel, mais il fallait le faire. Donc nous allons commencer notre première conférence sur les nouveaux modes d'acquisition de la donnée de la détection à l'alerte. Mais replaçons tout cela un petit peu dans le contexte général de nos deux jours, qui sont quand même les conséquences du changement climatique et
les catastrophes extrêmes qu'on pourrait craindre dans les années futures. Donc pour cela, on va avoir plusieurs intervenants qui vont se succéder. On a voulu faire un fil conducteur pour partir du plus global, du plus généraliste, pour arriver un peu sur ce que doit être demain et nous donner quelques idées de prospective. Pour commencer à ouvrir le débat et un peu cadrer ces deux journées, nous allons voir Joël Guyot. Vous êtes coprésident du groupe régional d'Esper sur le climat en région sud, Provence-Côte d'Azur, le Grec Sud, et vous avez participé à l'élaboration des rapports du GIEC. Donc c'est à vous, je vous laisse la parole, je vais vous lancer votre présentation. C'est à vous. Merci. Merci aussi pour l'invitation. Donc, je vais essayer en 10 minutes de vous présenter d'abord les messages principaux du dernier rapport du GIEC qui est sorti en août cette année-ci. Et après, je vais essayer de détailler un petit peu très rapidement les différents événements extrêmes auxquels on peut s'attendre de plus en plus souvent et de plus en plus intensément dans le futur à cause de ce changement climatique. Alors, évidemment, le rapport du GIEC, il est absolument conséquent, il fait 1500 pages, il y a un résumé pour les décideurs, mais qui fait encore 20 pages, et sortir les messages principaux, c'est un petit peu compliqué, mais disons que voilà ici les 5 messages qu'on peut retenir si on veut aller vite. C'est le premier, c'est à moins d'une réduction immédiate, rapide et à grande échelle des émissions de gaz à effet de serre, il sera impossible de limiter le réchauffement à 1,5 degré. Vous vous rappelez le rapport, il y a eu un rapport spécial qui est sorti c'était à l'été ou à l'automne 2018, et ce rapport était intitulé Réchauffement à 1,5 degré. Et l'idée de ce rapport, c'était de montrer qu'il fallait absolument se tenir à 1,5 degré de réchauffement, j'ai oublié de préciser, par rapport au niveau pré-industriel. Et donc, et pas 2 degrés, parce que 2 degrés, ça commence déjà à avoir des impacts assez importants. Et disons que depuis ce rapport spécial et depuis surtout les accords de Paris en 2015, on n'a pas beaucoup progressé dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre, et il est de plus en plus difficile de limiter le réchauffement à 1,5. Et un autre point qui est assez important et qui est plutôt nouveau dans le rapport, c'est que les activités humaines sont à l'origine du changement climatique. Dans les précédents rapports, on disait qu'il y avait une grosse probabilité que c'était le cas. Mais ce rapport-là dit que c'est incontestable. Donc il n'y a plus l'ombre d'une hésitation. Le changement climatique est dû aux activités humaines. Et les conséquences, ce sont en particulier une augmentation des phénomènes climatiques extrêmes, notamment les vagues de chaleur, les fortes pluies, les sécheresses, qui deviennent plus fréquents et plus graves. Le troisième message, le changement climatique affecte toutes les régions de la Terre de multiples façons. On l'a vu avec la tempête en Allemagne et en Belgique. C'était pas forcément des régions qui étaient propices à ce genre d'événement. Eh bien, on peut dire que à peu près partout dans le monde, il y a eu des événements extrêmes cette année-ci en particulier. Et ça va s'accentuer avec le réchauffement. Certains changements du système climatique sont irréversibles. La partie de la calotte de glace sur les pôles qui a fondu, évidemment, ça ne reviendra pas. Et il y a des événements qui pourraient cependant être ralentis et d'autres pourraient être arrêtés en limitant le réchauffement. Donc tout n'est pas perdu, il y a encore des possibilités d'agir à ce niveau-là. Et pour limiter le réchauffement de la planète, il est nécessaire de réduire fortement, rapidement et durablement les émissions de CO2, de méthane et d'autres gaz à effet de serre. Alors un point aussi qui est plutôt nouveau dans les messages du GIEC, cela permettrait non seulement de réduire les conséquences du changement climatique, mais aussi d'améliorer la qualité de l'air. Et ça, c'est un co-bénéfice qui est assez immédiat, parce que si on arrête les énergies fossiles, par exemple, eh bien très rapidement, on améliore la qualité de l'air, alors que le réchauffement climatique, lui, mettra plus de temps à être freiné. Alors maintenant, je vais passer en revue les quelques événements extrêmes auxquels qu'on connaît déjà et qui vont s'accentuer. Le premier, c'est lié à l'élévation du niveau des mers. On a eu 20 cm d'élévation sur le 20e siècle jusqu'en 2018, avec une vitesse au début qui était de l'ordre de 1,3 mm par an,
et maintenant c'est 3,7 mm par an. Donc l'élévation du niveau de la mer s'accélère. En 2100, on peut s'attendre à une élévation de 50 à 90 cm selon le scénario. Donc 50, c'est plutôt si on est très actif dans la limitation des émissions, et 90, c'est si on est laxiste. La possibilité d'une déstabilisation de certaines parties de l'Antarctique peut même conduire à des augmentations entre 1,50 m et 2 m. Et bon, ça, pour l'instant, c'est encore de faibles probabilités, mais ce n'est pas exclu. Et les événements extrêmes à ce niveau-là, eh bien, c'est des vagues de plus en plus fortes, des surcotes. Une inondation séculaire pourrait devenir annuelle dans le pire des cas. Donc, même si le niveau moyen n'est pas énorme, c'est surtout à cause des submersions, des vagues et des événements extrêmes que les inondations vont se produire. Alors, un autre point, c'est les vagues de chaleur en Europe. Ici, dans l'Atlas interactif publié par le GIEC au même moment que son rapport, on peut sortir des cartes. Ici, c'est j'ai sorti des cartes pour l'Europe de l'Ouest et la Méditerranée. Et c'est le nombre de jours avec une température maximale supérieure à 35 degrés. Et on voit que à partir de 1,5 degré, c'est surtout, disons, la Méditerranée qui est atteinte. À 2 degrés, eh bien, on commence à avoir des conséquences en France. Et à partir de 3 degrés, ça devient vraiment presque général sur tout l'ouest de l'Europe. Et évidemment, à 4 degrés, encore plus fort. Et donc, à partir de 3 degrés, eh bien, les vagues de chaleur augmenteront de plus de 15% en France et en Europe centrale. Alors, un autre point qui n'est pas si intuitif que ça, c'est le fait qu'il y a un risque de gel de plus en plus important. On l'a vu cette année-ci au mois d'avril. En fait, ce qui se passe, c'est que avec l'augmentation de la température, en hiver en particulier, eh bien, les hivers deviennent plus doux. Et il peut y avoir, à cause de la variabilité du climat, il peut y avoir des risques de gel tardifs. Ici, c'était en avril, et avec des impacts importants sur l'agriculture. Un autre événement extrême, c'est les événements, les épisodes méditerranéens, donc qui concernent surtout la partie sud de la France. Et on a eu la tempête Alexia dans les Alpes-Maritimes, dans le Gard est assez coutumier de ce genre d'événements. Et ce que nous dit le GIEC, c'est qu'il y a un doublement, le GIEC et le Grec Sud, puisque le Grec Sud, c'est en fait une façon de traduire les informations du GIEC au niveau local. Et il y a un doublement de la fréquence des événements dépassant un seuil de 200 mm de pluie par jour. L'intensité de ces épisodes est en hausse de 22%. Alors, il y a un phénomène qui s'ajoute à ça, c'est que les masses d'air ont tendance à circuler moins vite maintenant qu'avant. Et donc, quand il y a une forte pluie quelque part, eh bien, cette forte pluie va rester plus longtemps. Et donc, ça va accentuer les inondations. Les surfaces touchées sont en hausse également, et la probabilité de crue centennale a doublé en raison du changement climatique. Il y a une publication qui est sortie après les inondations d'Allemagne et de Belgique, qui a attribué ces inondations au changement climatique. Alors maintenant, il y a un autre point, c'est l'augmentation des grands incendies. Ce sont essentiellement des incendies convectifs qui sont liés à la chaleur. Alors vous voyez ici, actuellement, c'est le graphique de gauche, vous voyez que c'est surtout le nombre de jours avec un indice de feu qui est supérieur à 40. C'est surtout dans la plaine et l'ouest de la région que ça se traduit. Par contre, avec le scénario RCP 4.5, c'est un scénario moyen, on va dire, eh bien, ça commence déjà à atteindre la moyenne montagne de la région PACA. Et puis, dans le scénario le pire, à droite, eh bien, vous voyez que la moitié de PACA est sous le risque d'augmentation des incendies de forêt. Alors maintenant, les sécheresses, c'est assez paradoxal en Méditerranée, on peut avoir à la fois des sécheresses et des inondations, évidemment ce n'est pas la même saison. Eh bien les sécheresses augmentent et à partir de 2 degrés, vous voyez c'est surtout la Méditerranée, à 3 degrés ça vient sur tout l'ouest de la France et à 4 degrés de réchauffement, eh bien c'est une grosse partie de l'Europe occidentale. Et donc, pour conclure, les enjeux de tous ces événements, c'est la nécessité d'agir à deux niveaux, l'atténuation et l'adaptation.
Alors, ce n'est pas des choses qui sont antagonistes. Il faut s'adapter au réchauffement qui est déjà en cours. Le réchauffement global est actuellement de 1,1 degré pour la moyenne planétaire. Donc, il existe, il y a déjà des conséquences. Et il faut éviter de l'augmenter et donc de ne pas dépasser le 1,5. Et donc, ça, c'est l'atténuation, donc la diminution des émissions de gaz à effet de serre. Et alors, un point important, moi, je pense, qui est sorti du dernier rapport, c'est que on peut voir les effets, si vraiment on prend des mesures radicales, on peut voir les effets d'ici 20 ans. Avant, on disait qu'il fallait plusieurs dizaines d'années pour voir les effets, mais si vous voulez, le laps de temps s'est un petit peu raccourci, et ce qui est plutôt un message positif. Et donc, l'atténuation aura pour but de limiter les catastrophes naturelles, et l'adaptation, ben, il faut s'adapter à celles qui sont inéluctables via des programmes de prévention et d'anticipation. Je vous remercie. Merci, merci Monsieur Guillot d'avoir brossé ces scénarios pas très réjouissants, mais qui vont bien cadrer un petit peu les échanges que nous allons avoir dans 2 jours. Donc on a fait le choix de faire des séances de questions juste après les intervenants, pour qu'on puisse avoir quelque chose de plus fluide, un peu plus dynamique. Donc arrive le temps des questions. Vous avez Damien sur le côté avec un micro. S'il y en a qui ont des questions pour Monsieur Gruau sur son exposé, je vous en prie. Et j'en profite pour souhaiter la bienvenue aux étudiants de Nîmes qui nous rejoignent. Donc n'hésitez pas à prendre place. Est-ce qu'on a déjà des premières questions? Ah, on a une première question de Jean-Louis, je t'en prie. On a un micro. On va faire ça comme ça. Bonjour, Jean-Louis Urmen. Alors moi, je serai intervenant sur la contribution citoyenne. Alors, ce qui m'intéresse, c'est... on va dire toutes les modélisations qui sont faites actuellement, il y a des éléments, on va dire, qu'on arrive à voir ou à maîtriser, et il y a des interrogations qui demeurent. Et j'aimerais savoir si dans ces interrogations, on a déjà identifié, par exemple, l'importance des variables en dehors de la planète Terre, c'est-à-dire les éruptions solaires ou les évolutions au fil des décennies ou des siècles, etc. On sait aussi, certains chercheurs disent que la proximité aussi de la Lune n'est pas toujours la même, et on rentre dans un nouveau cycle de proximité un peu plus amplifié qui fait que la marée se met à évoluer. Et il y a une troisième variable que les chercheurs commencent aussi à examiner, c'est l'intensité des volcans, l'activité volcanique. Qui n'est pas toujours la même selon les siècles. C'est-à-dire qu'il y a des moments où les volcans se réveillent, et on sait que la constante d'un volcan est assez incroyable, et qui a aussi, et notamment les fameux 10 plaies d'Égypte, c'était concomitant à des volcans, voilà, sur le plan historique. Bon, c'est des questions, mais c'était pour savoir, dans la fenêtre historique qu'on a, quelles sont les autres variables ou les certitudes qui existent. Oui, alors je vous remercie pour votre question. Oui, effectivement, l'activité solaire, par exemple, c'est quelque chose qui est souvent invoqué. Et le dernier rapport du GIEC met à peu près l'estimation de l'effet de l'activité solaire sur le réchauffement à 0,1 degré, sur les 1,1 degré qu'on a déjà actuellement. Donc c'est relativement mineur. Alors les volcans envoient des aérosols d'acide sulfurique dans la stratosphère, et ça a comme propriété de refroidir le climat. Alors ça, effectivement, on a eu des périodes dans le passé, pendant une période qu'on a appelée le petit âge glaciaire, grosso modo entre 1300 et 1850, là il y avait pas mal d'éruptions volcaniques, et ça correspond à une période qui est relativement froide. Et c'est parce qu'en fait il y avait de plus en plus d'éruptions, et l'effet d'une éruption c'est quelques années, 3, 4 ans, 5 ans maximum. Et s'il n'y a pas d'autres éruptions à la suite, eh bien le climat redevient normal. Mais s'il y a une succession d'éruptions, eh bien effectivement ça peut avoir un effet de refroidissement. Mais le petit âge glaciaire, c'est quelque chose comme de l'ordre de 0,3, 0,4 degrés en moins que la période qui précède. Donc c'est pas non plus... on peut pas s'attendre des miracles. Effectivement, on pourrait dire les volcans vont nous sauver. Alors il y a une autre façon de faire, c'est de
de faire de la géo-ingénierie et d'envoyer des aérosols d'acide sulfurique dans la stratosphère pour modifier le climat. Il y en a qui pensent, ça peut avoir des conséquences qu'on ne soupçonne pas encore maintenant. Voilà, je ne sais pas si j'ai oublié un point dans ce que vous avez dit. Oui, alors, à une époque de ma recherche, j'ai pas mal suivi ce qui se passait avec la Lune, et j'ai jamais vraiment trouvé d'effets très significatifs. Entre autres, il y a des cycles de 18 ans au niveau de la Lune, 18,6 ans, et on ne retrouve pas ça dans les données climatiques, donc c'est difficile d'accepter l'idée que ça peut avoir une influence. Bon, je ne peux pas vous en dire plus actuellement. Merci, merci pour ces précisions. Je ne connaissais même pas cette partie d'interaction possible, donc c'est juste passionnant. Est-ce qu'on a d'autres questions dans la salle pour Joël? On en a une là-haut. Le micro arrive à vous. Bonjour, David Furina, Prisme. Alors, il y a un an et demi, on a vécu une période où, effectivement, on a tout arrêté pendant quelques semaines, quelques mois. C'était un confinement. On a vu... Il n'y avait plus de voitures, je pense qu'on a drastiquement diminué les émissions. Comment vous utilisez, vous, justement, cette période et est-ce que vous l'utilisez dans les projections que vous faites? Parce que je pense qu'effectivement, il n'y avait pas grand-chose qui fonctionnait, on consommait pas grand-chose. On a d'ailleurs dit qu'on a gagné 7 jours, 7 ou 8 jours sur l'année, sur la consommation des réserves naturelles. Moi, je voulais savoir comment vous avez utilisé cette période pour fiabiliser des modèles, pour avancer sur ces prédictions que vous nous avez présentées. Alors, bon, c'est pas moi, mais les modélisateurs du climat, effectivement, ils ont fait ce qu'on appelle des exercices de sensibilité du climat à ce genre de diminution, qui est de l'ordre de 7 à 10 %, parce que le confinement, le premier confinement particulièrement, parce que les autres ont été beaucoup moins... dur. Et le premier confinement, c'était responsable de 7 à 10% des diminutions des émissions. Le problème, c'est que quand le confinement est fini, les émissions redémarrent au niveau antérieur et même des fois plus élevées pour rattraper un petit peu le confinement. Donc, comme c'est sur une période trop courte, en fait, ces simulations montrent qu'il n'y a pas eu vraiment d'effet sur le climat. Par contre, il y a eu un effet sur la qualité de l'air pendant au moins la période... pendant laquelle ça s'est produit. Et ça, c'est quand même pas négligeable non plus. Merci, merci pour cette vision de l'impact du confinement sur ce changement climatique. S'il pouvait avoir un impact positif, ça serait quand même pas mal. Est-ce qu'il y a une autre question pour M. Griot sur le sujet du GIEC? Moi, j'avais une interrogation. Je suis toujours quelqu'un de très curieux. Dans les scénarios que vous proposez, que vous exposez, il y en a un qui parle de l'élévation du niveau des mers d'environ 50 à 90 cm. Pour nous, c'est des valeurs assez, pour moi, c'est assez flou. Si on croise ça avec la Camargue ou pour des choses qui sont près de chez nous, je ne sais pas si vous pouvez répondre, ou peut-être quelqu'un qui est expert du trait côtier qui pourrait nous dire, ça veut dire quoi 90 cm de plus en Camargue? Mais ça veut simplement dire qu'un événement qui arrivait une fois par siècle avant, c'est-à-dire une inondation due à une submersion marine, ça va arriver tous les 10 ans ou même plus souvent que ça. C'est pas sur la moyenne que ça joue le plus, c'est plutôt sur les événements extrêmes qui, eux, suivent et sont amplifiés par l'augmentation du niveau moyen des mers. Et donc, si vous allez sur Internet, vous pouvez trouver des sites, par exemple celui du BRGM, où on voit avec 50 cm... on voit qu'une bonne partie de la Camargue est en risque d'inondation très fort, quoi. Déjà avec 50 cm, qui est en fait la fourchette basse des estimations. D'accord. Donc si je fais un raccourci et que je grossis un peu le trait, on pourrait perdre pratiquement la Camargue dans une ou deux décennies, quoi. Nos petits-enfants ne pourraient ne plus connaître la Camargue. Voilà, alors le gros problème qui se passe, qui est en discussion là-bas, justement, c'est de savoir comment on fait. Est-ce qu'on va y mettre des digues, par exemple, élever les digues comme en Hollande, ou bien est-ce qu'on va déplacer les choses qu'il faut déplacer? Enfin, c'est tout un gros problème, et c'est pas évident à discuter. C'est pas mon domaine, donc je vais pas en dire plus. Ok. Merci de cette précision. Ça sera la dernière question, désolé. J'ai l'affreux rôle d'être le maître du temps.
Oui, je pense qu'il n'y a pas tout à fait le même impact si on monte le niveau moyen de 60 cm à 1 mètre. Donc il y a des travaux en cours dans le cadre d'un projet qui s'appelle Mont Littoral, par la région, l'Adréal. Donc il y a des cartes qu'on appelle d'ennoiement. C'est-à-dire que ce n'est plus une submersion temporaire, mais c'est une submersion définitive de zone. Et ça change quand même beaucoup de choses par rapport à une tempête, avec un niveau de submersion marine qui peut être fort, mais en gros, on avance et la mer se retire après. Là, quand on parle de 60 cm à 1 mètre qui rentre, ils rentrent, ils y restent. Voilà. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut avoir en tête. C'est quelque chose où, même si on a des zones basses qui sont entre les deux protégées, rien qu'avec les passages en sous-sol, on va avoir des étangs qui vont se former plus loin, etc. Donc, il y a deux choses, en fait. Il y a l'ennoiement continu, donc c'est une submersion permanente. Et c'est sûr qu'il y aura aussi des submersions événementielles qui seront plus fortes. Mais il y a quand même les deux sujets qui sont importants. Ok. Donc ça change bien le paradigme, mais ce n'est pas des simples inondations telles qu'on pourrait le comprendre. Ok. Eh bien, merci. Merci, Joël. Anna, je te laisse. On va écouter maintenant Alix Roumaniac. Alix, vous êtes président de la société Predict Service, qui est aujourd'hui la référence au niveau national sur tous les outils d'anticipation de ces événements climatiques extrêmes et d'accompagnement des collectivités à prévoir ces crises. Est-ce que vous pouvez nous dire les différents scénarios qui ont été détaillés par M. Guillot? Qu'est-ce que ça engendre de votre côté en termes de développement de nouveaux outils et quels sont les défis à relever pour vous? Merci. Oui, merci à vous. Donne-moi ton micro. Dans les journées de crise, on a forcément un plan B. On a rouvert. Oui, je crois que l'introduction qui a été faite sur ces perspectives et en échangeant avec Gilles et les organisateurs, je me suis dit qu'aujourd'hui, on ne pouvait pas discuter de ce sujet sans revenir sur ce qui s'est passé il y a une semaine, jour pour jour, enfin, puisque c'était mardi de la semaine dernière, dans les gares, gares et les rues, pour mesurer de manière concrète, en fait, que veulent dire ces évolutions et ce qui nous annonce, mais aussi dire que, je crois que ça a été bien dit, il faut arrêter de parler de changement climatique au futur. En fait, les conséquences, on les a aujourd'hui. Lorsque, la semaine dernière, il est tombé plus de 300 mm en moins de 3 heures sur le Gard, mais la semaine d'avant, sur Auch, il est tombé plus de 110 mm en moins d'une heure, ce qui a battu tous les records sur Auch. On n'avait jamais vu de pluie comme ça, mais cet été sur l'Allemagne, sur la Belgique, mais l'année dernière sur l'arrière-pays niçois avec plus de 600 mm en 8 heures. En 2018, l'Aude, et je pourrais égrener tous ces événements. Je crois qu'on a trop longtemps parlé du changement climatique au futur, et ça a plutôt eu tendance à maintenir un petit doute sur l'urgence à agir sur les deux volets, comme l'a été dit. Il ne faut pas opposer atténuation et adaptation. Pendant longtemps, je pense que même les experts en fait, du GIEC ont retardé de discuter de l'adaptation de peur que pousser l'adaptation limite la volonté d'atténuer. Et je crois qu'aujourd'hui, il faut être factuel. On a une urgence à, en parallèle, en même temps, pour utiliser un terme à la mode, travailler sur l'atténuation parce que ce qui va se passer à la fin du siècle dépend des décisions que l'on prend aujourd'hui, mais il est urgent aussi de travailler sur l'adaptation parce que quoi que l'on fasse, malheureusement, dans les 20, 30 ans à venir, on va avoir affaire à des événements qui vont être de plus en plus nombreux, de plus en plus intenses. Et je vais essayer de vous montrer à travers ce retour d'expérience ce qui s'est passé la semaine dernière, comment, hein, puisque le bilan de la semaine dernière, un événement très très rapide, on va le décrire là-dessus, très brutal, demande des images assez importantes,
grâce à l'action des communes, donc grâce à l'action des pompiers, de la sécurité civile et de tous les acteurs, on sort de l'événement comme la semaine dernière sans bilan humain important. Et j'ai échangé encore hier avec la Caisse centrale de réassurance avec laquelle on travaille, qui ont fait une première évaluation des conséquences financières de ce sinistre et qui modélise que le coût va être moins important que ce qu'ils pensaient, ce qu'ils avaient dans les historiques, c'est-à-dire que les actions qui sont prises aujourd'hui par tous les acteurs de terrain commencent aujourd'hui à apporter une réponse, bien sûr, en premier lieu, sur le bilan humain, mais aussi sur le bilan physique. Et vraiment, nous, le travail, la mission, comme l'a dit Anna depuis plus de 15 ans, c'est de travailler sur ces sujets-là et de voir comment, à travers toutes ces innovations, toutes ces nouvelles data, on peut accélérer les processus d'information des acteurs de la résilience pour les aider à prendre la, la décision. Alors, pour mettre vraiment de manière très précise une explication sur ce phénomène de la semaine dernière et pour reboucler avec ce qui a été présenté juste avant sur les impacts du changement climatique sur ces événements extrêmes, la semaine dernière, on était sur un événement, ce qu'on appelle typique, un événement méditerranéen en V. C'est celui qui a touché en 2014 la même zone, qui a touché Nîmes en 1988. Donc on est vraiment sur quelque chose de très classique avec plusieurs choses, et nos collègues de Météo France l'expliquent bien. Pour ce type d'événement, il y a plusieurs éléments. Il y a un moteur. Le moteur est toujours une dépression qui apporte de l'air froid en altitude, cette dépression qui est sur l'Atlantique, qui était au large de l'Espagne et du Portugal la semaine dernière. Et après, il faut du carburant. Et le carburant, c'est la Méditerranée chaude qui l'apporte. C'est-à-dire qu'une Méditerranée qui est chaude en septembre, en octobre, mais avec le changement climatique, elle commence à être chaude au mois d'août, des fois au mois de mai, au mois de juin, elle continue à l'être en décembre comme en 2003. Et en fait, c'est là où on comprend l'interaction changement climatique, fréquence et gravité des événements. Le changement climatique influe sur la température globale de l'atmosphère, des océans, et en particulier la Méditerranée, qui est une mer fermée, qui se réchauffe beaucoup plus vite que les autres mers du monde. Et c'est pour ça que le GIEC indique que la Méditerranée est un des hotspots du changement climatique, parce qu'on a un processus un peu d'accélération de tous les systèmes. Et donc, cette Méditerranée chaude, la semaine dernière, on voyait un flux très humide, et on sait que... Petit changement. Oui, non. Ouais, c'est bon. Et on sait que toute augmentation de température de l'atmosphère va augmenter la capacité à capter de l'humidité, donc des pluies précipitables. Et donc la semaine dernière, c'est ce qui s'est passé. Et puis, il y a un facteur qui est un facteur que les modèles aujourd'hui, on est un peu à la limite de l'état de l'art, c'est quelle est l'étincelle qui fait partir ce système et qui fait que ces systèmes en V, ce gros cumulonimbus que vous avez sur l'image satellite, ben, il reste bloqué pendant 2-3 heures. Et la semaine dernière, en fait, il est resté bloqué pendant 3 heures sur une zone qui partait de la limite de l'Hérault. Hein. Le Sadre se faisait vers Lunel. Alors, est-ce que les étangs, là, il y a l'étang de l'Or qui est très très chaud, est-ce qu'il joue un facteur de déclenchement? C'est souvent le cas, on observe une influence des étangs ou de relief dans ce système. On a les Cévennes dernière aussi qui joue quelque chose en termes de convergence, et on voit ce qui rend les choses difficiles, et c'est là où l'importance de la data, puisque c'est le thème de la journée d'aujourd'hui, est essentielle. On se rend compte que Météo France avait placé les deux départements en vigilance orange, l'Hérault et le Gard, le matin à 6h du matin. Les événements ont commencé à partir de 7h sur une zone qui concerne Quissac, Corcône, sur le nord de Montpellier. Puis le système s'est déplacé et s'est bloqué entre Lunel et Nîmes. Et là, l'importance de la data, il est tombé dans ce qu'on appelle l'avonnage, vers Bernice, Millau, Huchaud, plus de 300 mm en 3 heures. Si on va 10 km un peu plus vers le sud, si on va vers la Camargue, on était à moins de 5 mm. Donc à 10 km près, on passe de précipitations qui sont de 5 mm, c'est-à-dire rien, à 310 mm, c'est-à-dire un événement qui est extrêmement important. Et là, on mesure l'importance d'une data précise pour pouvoir aider à la prise de décision. C'est-à-dire que, ben, autant là où on est sous le violet, ben, les maires devaient activer, mettre en place des évacuations, des mises en sécurité, on va y revenir tout à l'heure, autant un peu plus au sud,
malgré la vigilance, il fallait être vigilant, mais il ne fallait pas évacuer tout le monde, parce que sinon, si on fait évacuer tout le monde alors qu'il ne se passe rien, la fois d'après, les gens ne vont pas écouter. Et donc là, importance de la data, hein, et de la descente d'échelle pour comprendre et pour aider à la décision. Donc ça, c'est le premier élément de data. Le partage de la data, il est essentiel. Donc là, on a une copie d'écran. Comme le disait Anna, on accompagne des collectivités. C'est plus de 27 000 collectivités en France qui sont assistées grâce à ces outils, hein, soit en direct, soit par l'intermédiaire des assureurs. On a des partenariats avec le monde de l'assurance. Et donc, c'est plus de 27 000 communes que l'on accompagne en temps réel. Et c'est plus de 14 millions de personnes en France dont on a les numéros de portable et qui reçoivent des SMS de mise en sécurité ou de prudence en fonction, on verra tout à l'heure, d'un protocole de communication. Et la semaine dernière, c'est des centaines de milliers de SMS qui sont partis par anticipation pour que les gens adoptent leur attitude et ne se mettent pas en danger. Et donc, c'est là où on voit aujourd'hui dans cette chaîne de transmission, hein, parce que on le sait, aujourd'hui, les capacités d'analyse et les capacités de connaissance augmentent de manière très importante. Et ce qui est essentiel, c'est d'apporter en fait la traduction de toutes ces connaissances jusqu'à l'utilisateur, au citoyen, au maire, qui n'est pas un expert en gestion de risque forcément, mais qui doit avoir une attitude qui soit cohérente. Et donc c'est sur toute cette chaîne que l'on a essayé d'optimiser toute l'utilisation de la data, que ça parte de gros modèles météo, de l'image satellite, de données sur les modèles numériques de terrain, l'identification des zones inondables que l'on peut faire. On en travaille notamment avec le CEREMA sur le sujet, le croisement sur des outils 3D de ces zones inondables avec des enjeux pour préparer toutes les phases de mise en sécurité, etc. Et donc, on a travaillé sur ce sujet, notamment sur ce protocole de communication aujourd'hui que l'on a développé depuis 6 ou 7 ans, où, en fait, pour être efficace en termes de prise de décision et de gestion de crise, il faut que ça soit quelque chose qui soit progressif et à une échelle très fine. Donc à l'échelle communale, on a une montée en graduation qui part bien sûr de la veille, la vigilance sur la base de la prévision, et puis dès qu'on rentre dans l'observation, on mobilise, on met en sécurité, ou même de sécurité accentuée, sécurité maximale. Et en passant en fait de la prévision à l'observation, ça permet d'éviter les fausses alertes et d'avoir des messages qui sont toujours pertinents. Et donc là, quelques exemples à Vergès, qui est à la sortie en fait du bassin de l'Avonage, et c'est la fameuse crue du Rony, hein, que vous avez entendu parler ou vu à la télé. Et donc là, ce sont les messages et tous les échanges qu'on a pu avoir avec la mairie, les gestionnaires de crise sur cette opération, où donc dès le matin à 6h, on a échangé avec la mairie pour qu'elle se mette en vigilance. Dès 9h, voyant que les systèmes commençaient à se mettre en place, il y a eu des messages de mobilisation et une montée en puissance, puis un engagement de sécurité. Donc on voit, ça va très très vite, hein. C'est à partir de 10h des mises en sécurité, des sécurités maximales à 11h30, et avec des échanges SMS, mail, échanges téléphoniques. Bernice, cette image a fait le tour du France, autour du monde, même avec l'inondation de la Neuf, ben sur Bernice, là où le petit cours d'eau qui a inondé l'autoroute qui arrivait à Bernice, ben à 6h, pareil, un SMS de vigilance, à 9h15, une mobilisation des équipes municipales et qui commence à faire tout le tour de la commune, fermeture des routes, etc. Mise en sécurité à 9h45, 10h21, des échanges téléphoniques avec toutes les écoles, ont été mises en sécurité, des messages sont partis aux parents pour pas qu'ils viennent chercher les enfants aux écoles. Enfin, le déroulé classique de toutes les opérations, on le voit, l'inondation de la Neuf est arrivée tard, hein, c'était un peu aux alentours de 11h, mais du côté de la commune, en fait, toutes les actions avaient pu être prises. Voilà un peu les différentes communes que l'on a fait. Et donc là, il y a des retours, mais j'y passe rapidement, mais je reste à votre disposition, de toutes les maires, Lunel, Quissac, Millau, Aimargues, Gaubiac, Beauvoisin, Saint-Dionysie, Codonia, travaillent même plus de 1000 salariés sur cet événement. Et donc, on voit on produit un indice de gravité. On comprend mieux, en fait, vous avez vu l'image, et on comprend mieux que les choses peuvent être très locales, et c'est ces data très précises qui peuvent permettre de faire ça. Alors,
Autre data, juste après, et je vais accélérer parce que la montre tourne vite, on a récupéré dès le mercredi les images de Sentinel Radar, sur lequel on avait à 19h toutes les zones en eau du système, et ça nous a permis en fait d'élaborer en fait une carte des zones inondées le lendemain, le mercredi, donc on peut du jour au lendemain sortir ça et croiser ça effectivement avec tous les enjeux. Et là, c'est un tout autre travail que l'on peut aussi, que l'on partage avec nos partenaires assureurs, qui peuvent aller cibler et aider les gens qui ont été directement impactés par ces événements pour accélérer le processus de prise en charge. Alors, ce type de data, on le voit là sur l'inondation, et on l'a vu, on le voit en France, mais aujourd'hui, on l'a vu, ces sujets du changement climatique, ils nous imposent sur des sécheresses, sur des canicules, sur des gros dégonflements d'argile, sur de la submersion marine. Aujourd'hui, toutes ces datas et tout cet accompagnement à l'adaptation, à la gestion de crise, on le déploie avec nos partenaires sur tous ces sujets-là. On les déploie en France, mais aussi pour faire une ouverture internationale. On fait ce travail, on fait un travail en ce moment, par exemple, de transfert de savoir-faire, de transfert de technologie avec le Royaume du Maroc et au sein du ministère de l'Intérieur. Ce concept de prédict qu'on a développé depuis 15 ans, on le développe à travers un projet qui s'appelle Vigirisque, sur lequel, en fait, on développe exactement le même projet, et en mettant en termes de data, là, je terminerai là-dessus, comme sur le Royaume du Maroc encore, les données de radar météo ne sont pas disponibles, on leur met à disposition en fait une donnée que l'on travaille avec l'Agence spatiale européenne, qui permet d'avoir les précipitations monde entier toutes les demi-heures à travers des données qui sont issues du satellite infrarouge, qui s'appelle COSPARIN. Et par exemple, ça, c'est une copie de ce qui se passait hier. Je ne sais pas si vous avez suivi, mais hier, il y a eu vers Tétouan, sur la zone nord du Maroc, des inondations qui ont provoqué des glissements de terrain, etc. Et qui, grâce à travers le satellite, on peut arriver à identifier ces événements et puis développer tout le process d'information. C'est ce projet Vigirisque que l'on déploie au Maroc. Je m'arrête là, Gilles. Je sais que je suis très bavard et j'ai beaucoup de choses à dire. C'est gentil, Alex. Merci Alix. Est-ce qu'il y a des questions au sein du public pour Alix ? Bonjour, Michel Benoît de la société Highway. On développe des modèles de machine learning pour prévoir les consommations d'irrigation pour le canal de Provence. Et on a ce problème de la pluie. Hein, parce qu'en fait, on s'aperçoit que dans les prédictions météo, la pluie, on n'arrive pas vraiment à la prédire. Hein. Donc, vous avez évoqué les risques des inondations, de la pluie, hein, mais à moins de prendre des zones très très larges, en disant, ben voilà, on prévient les gens, mais il ne va peut-être pas pleuvoir, hein, ou pas à cet endroit-là, hein, la pluie est un vrai problème. Alors, pour nous, c'est moins grave, parce que la pluie, quand on irrigue, c'est plutôt un bonheur, hein, mais bon, le canal Provence a aussi une mission d'informer les agriculteurs. Des fois, la pluie, c'est pas un bonheur, hein, si on pleut trop. Et en fait, on s'aperçoit qu'avec les prévisions météo, autant ça marche bien pour la température, pour le vent, hein, mais des fois, on prévoit pas l'épisode de pluie, ou des fois, on prévoit l'épisode de pluie, mais on dit, il y en a 0,5 mm qui vont tomber dans une heure, il y en a 30 qui tombent. Donc voilà, est-ce que vous pensez que on peut espérer un jour prévoir la pluie, et de préférence ne pas prévoir la pluie un quart d'heure avant, hein, parce qu'on voit bien à Roland-Garros, ils vous disent qu'il va pleuvoir dans une demi-heure, mais au moins 3 heures ou 6 heures avant, de manière à prévenir les gens, quoi, de manière sûre. Oui, ouais, c'est bon. Ça marche, ça marche. Où il est tombé 300 mm, et à 10 km de là, il est tombé 3 mm. Donc on a un facteur 5 sur 10 km de distance. Et tout ça à cause d'un système dépressionnaire qui est piloté. Et vous avez vu la taille,
du cumulonimbus, c'est quelque chose qui fait 15 km de haut, un système en V qui est énorme. Donc, effectivement, on est dans la limite de l'état de l'art du modèle. Aujourd'hui, on ne peut pas, 36 heures à l'avance, savoir qu'il va tomber 300 mm à Bernice et puis 3 mm à Saint-Gilles, qui est à 10 km de là. On ne le peut pas aujourd'hui, on ne le pourra pas dans 5 ans, on ne pourra pas dans 10 ans. Je crois qu'il faut... on est vraiment là à la limite de l'état de l'art. Et c'est pour ça que ça nous a poussé à développer un protocole de communication graduel où on passe de la prévision à l'observation en continuum. Et vous avez vu la fameuse roue, soyez vigilants, ça sur la base de la prévision, on peut dire, attendez, il est prévu que dans les 12 heures ou dans les 24 heures, il y ait quelque chose un peu d'important qui se situe dans ces deux départements, c'est l'intérêt de la vigilance. Et après, quand on va descendre un peu plus à l'aval, pour demander aux gens d'évacuer, on ne peut pas demander à des gens de deux départements d'évacuer parce que potentiellement il peut tomber 300 mm parce qu'ils vont le faire une fois, deux fois, trois fois. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il faut y aller petit à petit. Le soyez vigilant, c'est 12 heures, 24 heures avant, attention dans ce département. Et puis, nous, le principe, c'est qu'il y a des gens qui ne dorment pas, qui sont derrière les écrans, qui regardent à travers la data les images satellites, les images radars, les impacts de foudre, comment savoir. Et la signature de l'événement stationnaire, effectivement, à partir de 6 heures du matin, on a dit, bon, ça y est, on y est là, c'est un truc qui est stationnaire. Donc ça a commencé vers Corcône, Quissac, on est monté à puissance, et puis ça a un peu bougé. Et quand vous le disiez, vous avez vu sur les chronogrammes d'avertissement, à Bernice, à 6 heures, ils étaient en vigilance. À 8 heures, on a dit commencez à vous mobiliser. À 9 heures, on leur a dit bon, mais mettez tout en sécurité. La crue, elle arrive à 11 heures. C'est pas beaucoup. Certes, aujourd'hui, dans l'état de l'art, on ne peut pas faire mieux. Et il ne faut pas vendre qu'on peut faire mieux, parce que sinon, c'est une fausse promesse et on va décevoir les gens. La seule chose, il faut s'organiser, il faut admettre et il faut faire en sorte de pouvoir faire des choses qui soient graduelles. Aujourd'hui, il faut rester humble par rapport à la nature. Les progrès vont très vite, mais je pense qu'il ne faut pas, essayer de penser qu'on peut aller faire mieux. Il y a quand même un certain nombre de contraintes et nous, c'est notre philosophie. Du coup, vous développez des modèles locaux pour prévoir, par exemple, si on prend le Gard, malheureusement, c'est toujours le Gard. Bon, il ne faut pas en parler aux Alpes-Maritimes parce que demain on va en parler ou il ne faut pas en parler à l'Aude. Est-ce que Météo France développe des modèles météorologiques locaux, par exemple pour la vallée de la Roya, pour les Gard, ou vous-même, puisque vous êtes spécialiste de ça? Non, aujourd'hui c'est Météo France qui travaille sur le sujet. Le modèle à Rome a une maille de 1,4 km. Il voit des choses très précises. La seule chose, c'est que des fois, ce modèle, il voit des choses très vraies 12 heures à l'avance. Des fois, il les voit 3 heures à l'avance. Le modèle à Rome qui a tourné la nuit du 13 voyait un système stationnaire. Donc, mais seulement, c'était à 5 heures du matin. Donc, est-ce que c'est lui qui avait raison ou est-ce que c'est le run de 3 heures avant? On ne sait pas. Nous, on l'intègre comme des scénarios possibles. Et puis, dès que ça se met en place, on dit, OK, c'est le à Rome de 6 heures qui avait raison, et donc il faut aller très vite. Je propose qu'on passe à une dernière question. Bonjour, Béatrice Gisclard, Université Nîmes. Moi, je m'interrogeais sur le fait que est-ce que Vinci et la SNCF se fournissent chez vous en information? Parce que sur cet événement, ce qui est quand même assez désespérant, c'est de voir que l'endroit où l'autoroute a pris, c'est quand même pas la première fois et que les conséquences sont aussi dramatiques. J'ai pas l'habitude d'avoir langue de bois. Non, Vinci ne travaille pas avec nos données. Pas travaillé la semaine dernière. Elle n'avait pas travaillé il y a 2 ans lorsqu'il y a eu l'épisode de neige sur Montpellier. Et c'est vrai qu'on peut... Sinon, on va finir à 14h. Qui fait 5000 habitants et tout sécurisé. Et bon. La SNCF a été informée, les trains ont été arrêtés en gare. Avant éviter le passage, on travaille avec la SNCF. Merci Alix. Alix et le stand de Predix restent présents sous les deux jours, donc je vois que ça lève beaucoup de questions. Je vous propose, voilà. Okay.
pour échanger encore, de faire profiter de la pause repas ou des pauses café. Vous pourrez aller creuser un peu plus en profondeur ce sujet. On va rester sur l'aléa inondation, même si on est très généraliste pendant les deux jours. Les questions lèvent un peu de tout ce qui est l'avenir, mais comment peut-on faire mieux? Comment on peut aller plus loin? Comment prédire un peu mieux l'avenir, même si Alix nous a dit il faut rester humble avec la nature. J'ai adoré cette phrase. Donc Pierre Javel de l'INRAE, est-ce que vous pouvez me dire un peu plus d'un projet de recherche peut-être qui pourrait faire un focus sur les intempéries et les crues soudaines? Oui, bonjour. Déjà merci pour votre invitation. En effet, donc Alix a présenté un petit peu les problématiques qui sont liées à ces événements de crues soudaines. Donc la question sur la pluie illustre. Bien, c'est bon. On continue. C'est des événements qui sont extrêmement difficiles à prévoir. Et je suis entièrement d'accord avec la réponse qui a été faite. Il ne faut pas donner de faux espoirs aux gens. Néanmoins, les projets de recherche, donc notamment avec Météo France. Ils ont changé hier soir. Bien sûr, qui sont les premiers concernés pour la prévision des pluies, mais pas que, qui visent à améliorer les outils actuels et à fournir à des collectivités ou à des sociétés comme Prédict on va dire, plus performants. Alors, le premier que je vais vous présenter, c'est le projet PIX. Sans micro, si ça s'arrête. Ça va, ça vient. Bon. Continue. Ça veut dire prévision immédiate. Intégré, impact des crues soudaines. Donc on est bien dans les crues soudaines, le décor qui a parfaitement décrit. Commencé par l'Agence nationale de la recherche. C'est quoi cette merde? Donc par Olivier Perra. Ça fait un quart d'heure qu'on a commencé. Alors je l'ai dit en introduction, le but de PIC c'est d'améliorer les outils actuels, notamment les outils nationaux. Qui permettent de fournir de l'information pour mieux anticiper ce type de outils nationaux. J'entends par exemple l'outil APIC, le service APIC de Météo France, qui alerte les communes en cas de pluie intense. Et le service Flash également, qui alerte les communes cette fois-ci en cas de réaction rapide des cours d'eau sur leur territoire. Alors, la première question qu'on se pose dans le cadre du projet, c'est qu'a-t-on besoin d'améliorer dans le futur et comment? Donc pour pouvoir y répondre, le projet... J'ai réuni un groupe utilisateur qui regroupe les principaux acteurs confrontés à d'événements. Donc c'est les services de l'État, c'est des collectivités, des gens qui au quotidien doivent faire des prévisions et réagir en fonction de ces prévisions. C'est aussi des acteurs privés, notamment Prédict, faisait partie du groupe utilisateur, donc qui arrive en appui à des collectivités, ou alors d'autres acteurs privés tels que la SNCF, on en a parlé, EDF, donc des gens qui gèrent un réseau, et un réseau vulnérable aux crues soudaines. Donc là, je n'ai plus l'animation. Il me permet de relancer la présentation. D'accord. Donc je reprends la main ? Non. J'ai plus de... Ah, ça y est. Trouver le plan B. Donc on leur a demandé, par rapport aux outils actuels, qu'est-ce qu'il y a besoin d'améliorer en premier. La réponse qui nous a été faite, c'est l'anticipation. Donc les outils actuels, on l'a dit, anticipent très peu, et notamment les deux que j'ai cités, PJQ Flash et API, utilisent l'observation de pluie, et pas les prévisions, l'observation de pluie.
pour faire pour émettre des avertissements. Donc le premier point à améliorer, c'est l'anticipation, et l'anticipation a des échéances très courtes. C'est ce que nous on appelle le downcasting. Excuse pour l'anglicisme, mais donc c'est ce qu'on peut traduire en français par le terme prévision immédiate, et j'y reviendrai tout à l'heure. Et le deuxième point qu'il faut améliorer dans ces chaînes, c'est aller de l'aléa à l'impact. C'est-à-dire, il ne s'agit pas de dire, voilà, il va beaucoup pleuvoir à tel endroit, on risque d'avoir une crue à tel endroit, mais de savoir quelles conséquences l'événement va avoir à cet endroit. Alors, moi j'ai les images, vous ne les avez plus. Voilà. Donc deux points à améliorer essentiellement, hein, c'est l'anticipation et les impacts. Et... C'est bon. T'as pas... Non. Qu'est-ce qu'il te... Qu'est-ce que tu veux faire? La suite. Sinon, je vais faire ça, c'est pas... Ok. On va rester comme ça. Je vais mettre ton écran. Pardon, si tu veux voir. Vous avez fait comme ça? Ouais. Bon, je ne vais, peut-être pas aller jusqu'au bout là. Je vais garder les idées essentielles. L'anticipation, les impacts. Et un troisième point qui a été signalé, c'est de pouvoir traiter de larges zones, mais à fine échelle. Hein, ça, c'est important aussi. Une crue soudaine, elle peut tomber n'importe où. Et donc, on est obligé de surveiller, c'est ça la difficulté, une large zone, mais avec un niveau de détail très important. Alors, pour répondre à ce type d'enjeu, on est obligé de construire des chaînes de prévision. Il n'y a pas un seul outil qui va répondre à toutes ces questions, mais c'est plutôt une succession d'outils. Le premier d'entre eux, ben, c'est effectivement, on en a parlé, c'est la prévision des pluies. Donc, c'est le plus important puisque, bien sûr, les crues soudaines vont être générées par des fortes pluies. Ces pluies, c'est ensuite de pouvoir les intégrer à des modèles hydrologiques. C'est important de mettre des modèles hydrologiques derrière, parce qu'ils vont tenir compte de des niveaux initiaux d'humidité dans les bassins versants. Une forte pluie sur des sols complètement secs, notamment dans le sud de la France, on ne va pas générer la même crue que des bassins complètement saturés. Troisième étage, on va dire, de la chaîne, c'est de pouvoir traduire ces débits en niveau, donc à l'aide de modèles hydrauliques. Et enfin, j'en parlais, ces niveaux, c'est de pouvoir les traduire en termes d'impact. À venir. Je vais continuer comme ça. Donc, premier étage de la chaîne, c'est la prévision des pluies. On parle donc ici de prévision immédiate. La prévision immédiate, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est justement essayer de prévoir à des échéances très courtes et à très fine échelle qu'est-ce qui va se passer. Donc on l'a dit tout à l'heure, on se base sur deux types d'informations. D'une part, les observations de la pluie, donc qui sont fournies par les radars, essentiellement les radars de Météo France, et d'autre part, les modèles numériques de prévision du temps de Météo France, notamment le modèle AROM. Le problème de ces modèles, on l'a dit, même s'ils sont à des échelles spatiales relativement fines, voilà. Non, moi je l'ai, vous ne l'avez pas. Même si ils sont à des échelles spatiales relativement fines, ils ont du mal à prévoir les échéances très courtes. Alors, pour ça, Météo France travaille à des méthodes mixtes qui vont consister à fusionner les observations radar avec les méthodes numériques, avec les modèles numériques, notamment le modèle AROM.
Et c'est ce genre de produit qu'a développé Météo France dans le cadre du projet qu'on a pu nous tester dans nos modèles. Deuxième étage de la fusée, c'est les modèles hydrologiques. Donc dans le cadre du projet, on travaille sur des modèles distribués, des modèles à fine échelle également, et des modèles qui permettent de calculer des débits, même là où on n'a pas d'observation de débit, même là où on n'a pas de station de jaugeage. Ça c'est important aussi, on l'a dit tout à l'heure, une crue soudaine, elle peut tomber n'importe où, et souvent sur des petits bassins versants, et souvent donc c'est des bassins versants qui ne sont pas instrumentés. Troisième étage, donc les modèles hydrauliques, c'est des modèles donc qui. Différents types de modèles ont été testés dans le projet. La finalité de ces modèles, c'est de pouvoir être appliqués à des grandes zones. Donc on n'utilise pas des modèles très fins et qui ont été calés très localement, mais au contraire des modèles qui vont permettre d'avoir une bonne vision d'ensemble à une échelle quand même relativement fine. Sur tout un territoire, éventuellement le territoire national, puisque, je l'ai dit en introduction, on vise des outils nationaux. Donc c'est des modèles qui sont développés au CEREMA, à l'université Gustave Eiffel, par exemple. Et enfin, dernier étage, c'est le croisement avec la vulnérabilité. Donc croiser ces niveaux d'inondation, ces cartes d'inondation produites par les modèles, avec de l'occupation du sol, de la vulnérabilité, pour construire des indices de risque qui vont permettre aux décideurs de rapidement identifier les hotspots, entre guillemets, sur la zone. Voilà, c'est un peu les quatre étages dont je voulais vous parler, qu'on développe dans le cadre du projet et qu'on essaye de chaîner tous ensemble pour produire une véritable chaîne de prévision des impacts. Alors, le projet se termine dans un peu plus de 6 mois, en juin 2022. À l'heure actuelle, on a travaillé sur chacun des étages un petit peu de manière individuelle. Ce qui reste à faire, c'est de chaîner l'ensemble de ces étages, de les alimenter avec de la prévision de pluie, pour prévoir des débits, puis des hauteurs jusqu'aux indices. C'est ce qui va être fait dans la suite du projet. On a notre, comme je l'ai dit au début, notre groupe utilisateur qui va nous permettre d'évaluer la chaîne ainsi produite. Donc il est prévu en début d'année 2022 de faire ce qu'on appelle un jeu sérieux, un serious game, où ils seront mis en situation et ils auront d'abord à prévoir, à gérer une situation avec les outils actuels, et puis ensuite on leur redonnera la même situation à gérer, mais cette fois-ci avec les outils qui pourront être produits par le projet, de manière à avoir un retour des utilisateurs, puisque bien sûr c'est ce qui est le plus important, produire des outils qui soient utiles, qui correspondent aux besoins. Et en mai 2022, Frédéric, tu hoches la tête parce que j'ai oublié la date, 18 mai, merci. Donc le 18 mai 2022, ça sera le séminaire de restitution du projet qui se fera ici à Aix, au CEREMA. Et bien sûr, les gens qui souhaitent, qui sont intéressés seront cordialement invités. Voilà, je vous remercie. Je m'excuse pour le petit souci technique. C'est nous qui nous excusons. Il n'y a pas de souci. Merci Pierre. Désolé pour ces petites tracasseries techniques qu'on va régler pendant le temps des questions. Est-ce qu'il y a-t-il des questions pour Pierre sur le projet PIX pendant que nous, on puisse régler ces petits soucis? Enfin, excuse-moi, je te laisse répondre aux questions. Ah, tu vois, il suffisait que tu t'écartes de l'écran pour que ça fonctionne. C'est les ondes, j'ai des mauvaises ondes. C'est juste magnifique. Non, pas de questions, ou elles viendront peut-être. Ah, j'ai une question là-haut. Damien, il faut que tu fasses un petit coup de footing pour faire le grand tour. Bonjour. Est-ce que vos modèles prennent en compte l'artificialisation des sols qui peut dépendre de plus en plus
des volontés de certaines communes, et notamment dans le Var, où il y a une vraie difficulté là-dessus d'avoir des sols artificialisés en amont des ruisseaux et qui donc ont des impacts en aval. Oui, alors c'est vrai que ça joue pour l'hydrologie, en effet, sur la manière dont vont répondre les bassins versants. Donc dans le cadre des modèles qu'on développe, on essaye de discrétiser l'espace, donc le sol en fonction de l'occupation. Et le fait de savoir si le sol est urbanisé ou pas, ou si c'est de la forêt ou pas, en effet, c'est important. Alors après, si la question c'est est-ce qu'on gère temporellement cette artificialisation, non, on n'a pas le recul pour ça. Non. Mais on prend en compte voilà, le type d'occupation du sol dans les modèles. Mais c'est un sujet, effectivement. Alors, est-ce qu'on a une dernière question ? Pas d'autres questions ? J'en vois pas d'autres, donc on va passer au prochain. Mais bien sûr que ça va marcher. Ça va marcher. Mais c'est inévitable que ça va marcher. Je laisse la place au suivant. Ça a toujours marché. Vas-y. On vient de passer en revue là sur les quelques interventions, sur tous les outils qui précèdent l'événement, les outils de prévision, de modélisation, d'anticipation de tous ces événements. On va parler maintenant des outils de l'alerte aux populations avec Johnny Douvinet, donc Johnny qui est professeur des universités à l'université d'Avignon et qui est un petit peu le référent aujourd'hui sur toutes ces technologies de l'alerte aux populations, puisque vous pilotez un projet qui a permis de faire l'état de l'art de tous ces outils au niveau européen et d'expérimenter certaines solutions. Alors est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur où on en est aujourd'hui sur les questions de l'alerte, d'où on vient et puis surtout où on va avec ces outils-là? Merci, effectivement. Donc bonjour à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez bien, en espérant qu'il y ait quelques visuels, parce que sinon ça va être un peu compliqué. Donc je me présente tout d'abord. Donc je suis professeur des universités à Avignon. Et bah c'est bien, c'est en petit, mais au moins on verra. J'ai la chance de coordonner un projet ANR aussi qui s'appelle Cap for Multicanal Alert, qui est un peu long, mais qui est financé par l'ANR et qui est soutenu par le Secrétariat général de la Défense et Sécurité nationale, qui est directement attaché sous le Premier ministre et qui a pour partenaire deux structures privée, Atrisque et Gédicom, et puis le laboratoire Chrome, il y a des étudiants ici présents de l'Université de Nîmes, et puis laboratoire Espace à Avignon. Alors du coup, je vais essayer de tenir les délais. Effectivement, la question, c'est comment on alertait la population en France avant, maintenant et demain, en précisant tout de suite que pour nous, l'alerte, on la considère telle qu'elle est définie dans le guide ORSEC de 2013, à savoir que c'est un signal destiné à informer la population d'un danger imminent ou en cours, susceptible de porter atteinte à l'intégrité physique des biens et des personnes. À force de la répéter, on l'apprend. Mais en tout cas, l'alerte, elle dépend, en tout cas, elle est sous la responsabilité des maires, des préfets ou du ministère de l'Intérieur. Alors, par le passé, très rapidement, vous connaissez tous, on alertait avec des cloches. Ce que beaucoup de personnes connaissent, effectivement, moi je l'ai, mais c'est pas affiché, comme étant les tocsins ou les braillards. Je vais réessayer, Gilles. Il est où ? Je suis là. Ouais. Ça passe pas du coup sur le. Oh, c'est pas grave. Mon Dieu. J'étais tellement joyeux. Pourtant il est là. Tu vois, c'est en rouge. Donc en fait, ces cloches des églises, c'était le premier outil historique, principalement pour lutter contre les feux et les incendies. Et les cloches existaient au 19e siècle. Ça va venir. Et elles étaient sous la responsabilité du clergé, puisque les curés des paroisses étaient les seuls habilités à faire sonner en tout cas les tocsins ou les braillards. On avait un spignal spécifique un peu plus haut, ouais. Où on avait deux coups par seconde et le tocsin pouvait sonner jusqu'à 15 minutes en cas d'invasion pour informer la population. Alors évidemment, les tocsins ou les cloches des églises ont connu beaucoup de critiques. Ça arrive, super. Au XXe siècle, début du XXe siècle notamment, parce qu'elles n'ont pas été activées lors de certains événements. Je pense aux inondations en 1930 qui ont fait 130 morts à Moissac. Voilà, faut que je m'écarte en plus. Bien. La portée est limitée. Et puis, évidemment, face à l'arrivée de la première, puis la deuxième guerre mondiale, ça va redéconner. Il y a eu une modernisation, un changement surtout, puisque c'est plus la compétence de l'Église, mais c'est l'État qui va récupérer la compétence de l'alerte. À
après la Seconde Guerre mondiale, notamment en mettant en place ce que vous connaissez tous, a priori, comme étant les sirènes du réseau national d'alerte, les sirènes RNA. Alors, les sirènes ont été progressivement déployées après la fin de la Seconde Guerre mondiale, notamment pour faire face à une éventuelle attaque aérienne, et on en recense 900 à la fin des années 60, et puis un bilan a été demandé par le ministère de l'Intérieur, et en 2010, il y avait 4251 sirènes en France. Ce serait bien que si on pouvait afficher la carte, mais elle va arriver. Ça arrive. Et en gros, on a donc une répartition qui tient compte de certaines évolutions, évidemment en France, notamment la politique Vesmer dans les années 70, des sites stratégiques militaires, je pense par exemple à Toulon, à Brest ou à Bordeaux, où on retrouve aussi un certain nombre de sirènes le long de la ligne Maginot dans le nord-est de la France. Alors si on avait la carte, ce serait plus facile, mais... Elle arrive. À espérer. Elle arrive. Donc on a 4251 sirènes RNA en 2010. Toutefois, il y a un certain nombre de critiques qui sont émises, notamment parce que la portée des sirènes est limitée, vous le savez sans doute aussi bien que moi. Selon les constructeurs, le signal peut aller jusqu'à 3 km, mais dans la réalité, on est plutôt à 1 km. Et si on prend en compte ce rayon d'audibilité, eh bien, on arrive à une population résidente couverte ou alertable par les sirènes de 32%. Ce qui est très faible finalement. Donc ça veut dire que les sirènes ne peuvent pas être activées dans un certain nombre de territoires. Et puis, alors fait plus surprenant, il y a un certain nombre de chiffres qui sont apparus. 30% des sirènes ont des réseaux électriques qui datent d'avant des années 70. 35% émettent un signal conforme à ce qui est attendu. Et puis, il y a même des sirènes qui ne sonnent plus depuis des années. Je pense en Corse, je n'ai pas la réponse pourquoi, mais voilà. Donc, il y a un certain nombre de choses qui ne vont pas. Et l'État a mis fin au réseau RNA en 2010, donc ça fait 11 ans. Et aujourd'hui, il y a un nouveau système qui s'appelle le SAIP, système d'alerte et d'information à la population, qui a permis notamment de moderniser les sirènes et surtout de les raccorder ensemble. Parce qu'avant, il fallait faire sonner chaque sirène à la main. Imaginez. Entre-temps, on a eu l'application SAIP, l'application mobile que certains connaissent. Alors je mets ça au passé parce qu'elle n'existe plus. Elle a été créée en 2016. Mise en application 3 semaines avant l'Euro de foot en juin 2016. Toutefois, vous le savez aussi sans doute, elle n'a pas été utilisée à bon escient, entre guillemets. Alors je vais dire à bon escient, c'est peut-être un peu méchant, mais elle n'a pas fonctionné correctement. Le 14 juillet 2016, pour des problèmes de maintenance, il y a eu une fausse alerte. Si j'avais les dates, ce serait plus facile. Je crois que c'est le 18 mars 2017. Et puis, il y a eu aussi 2 alertes manquées. C'est-à-dire que l'État a alerté la population par les réseaux sociaux sans passer par l'application. Voilà. Donc ça, c'était pour le passé. On copie, on change de PC. Ah, sinon, j'ai le mien aussi. Oui, c'est ça. La prise de suite, ouais, elle est accessible. Ouais. Ouais, c'est bon, je vais copier. T'embête pas. Bon, alors, si on prend 2 minutes, ça va être plus simple pour vous montrer quand même plus visuel, parce que sinon, il n'y a pas d'intérêt. Vas-y, je te le passe là, moi je vais copier ici. USB. Ici, il est là, l'USB. Il faut aller dans le Finder et installer le pilote. Ouais. Sort de la presse. On voit qu'on n'est plus trop habitué aux événements en présentiel et qu'il faut qu'on se réadapte. Là, dans le Finder, il est apparu en disque dur supplémentaire. Il apparaît comme une clé USB. Je vais copier là. Ouais. Merci. Merci.
Ouais, c'est en cours. Donc pour vous expliquer, c'est toujours agréable. Moi j'aime bien la SNCF quand je suis bloqué pleine voix, qu'on m'explique pourquoi je suis bloqué. On a le Mac qui passe plus sur la présentation, donc on change d'ordinateur. Et donc on transfère les présentations en même temps. On va en profiter pour poser des questions. Bonjour à tous. Ah, oui. J'avais pour Predict, je ne sais pas s'il est parti du coup. Je me posais la question sur les règles RGPD, parce que du coup vous avez les numéros de téléphone de tout le monde, les coordonnées GPS de l'endroit où sont les gens pour envoyer les SMS, etc. Comment est-ce que vous gérez ça, et au niveau de la régulation, comment ça se passe? Au moment de là, pardon. Des règles RGPD. Oui, non, ça, juste la dernière phrase, hein, au moment de là. Enfin, la régulation des règles RGPD, comment est-ce que vous gérez ça? Parce que comment vous faites pour avoir toutes ces données? Parce que c'est des données privées, et comment est-ce que vous gérez ça via l'État, quoi. Non, le sujet de la RGPD enfin, a été traité de manière très, très, très sérieuse depuis le début. Ces données des personnes, des citoyens, on l'a à travers les partenariats qu'on a avec les assureurs. On travaille aujourd'hui avec Groupama, Generali, AXA, Pacifica, Aviva, donc tous les assureurs, et c'est comme ça qu'on arrive. Donc premier élément, dans la règle RGPD, l'utilisation des numéros portables l'éligibilité de l'utilisation des numéros peut être faite en matière de sécurité. Donc le premier sujet, on utilise ces numéros pas pour faire de la publicité, mais pour des raisons de sécurité. Donc il y a éligibilité à l'utilisation. Mais par contre, ce qu'on fait, c'est on fait une anonymisation la plus forte possible, c'est-à-dire que on a un numéro de portable et un code IDC du bien assuré de la personne. Donc déjà, c'est quelque chose qui respecte du coup les conditions de RGPD. La problématique de sécurité est très très forte, notamment Pacifica, c'est l'assurance du Crédit Agricole, le Groupama aussi, c'est les banques assurances, donc la contrainte RGPD est très forte, donc on a beaucoup travaillé avec leurs services pour faire en sorte que nos serveurs soient sécurisés, qu'il n'y ait pas de possibilité, etc. Que les numéros soient effacés dès que eux gèrent ces contacts aussi dans leur base de données, donc c'est géré dans ce sens-là. Et donc, on oscille entre jusqu'où on peut aller et qu'est-ce qu'il faut faire en termes de sécurité. Et notamment sur un sujet, et peut-être que, mais je vois que ça y est, la main est donnée, donc je vais repasser le micro. Aujourd'hui, dans les innovations à venir, on peut faire de l'alerte plus ciblée avec des consignes qui soient plus intelligentes en fonction de l'activité de la personne. Donc, on est amené à réfléchir, à dire, si, au lieu d'avoir que le numéro de téléphone et le numéro de la commune, si on avait le type d'usager, est-ce que c'est une personne âgée, est-ce que c'est un chef d'entreprise, est-ce que c'est, etc., on pourrait renvoyer de la recommandation d'attitude qui soit plus ciblée. Et là, on est dans la discussion, est-ce que c'est une entrée de liberté, est-ce que c'est pas assez RGPD ou pas, et on est dans ces débats-là, et ça fera partie des discussions des années à venir. Merci beaucoup. Bien, on va pouvoir reprendre puisque après le câble, c'est la clé USB. On aura tout eu. Allez, c'est bon.
c'est revenu. En espérant que ça tienne. Le plus dur, c'est pas la chute, c'est l'atterrissage. Par contre, il faut inverser les ordres. Ouais, je vous laisse. Attendez, juste. Hop. Allez, on va reprendre. Bon, je ne sais pas en termes de timing, puisque j'avais 15 minutes, mais c'est un peu compliqué. Donc là, vous avez à droite la carte de localisation des sirènes en France, les sirènes RNA. Et donc on voit dans certains territoires, il y a une accumulation, hein, je ne vais pas vous faire la géographie de la France, mais par contre ce qu'on voit aussi, c'est qu'il y a beaucoup de trous dans la raquette, beaucoup de zones qui sont en blanc, et donc ça veut dire qu'on n'a pas d'outils d'alerte de type sirène RNA qui existait dans ces territoires, puisque je vous rappelle que le réseau a été abandonné, supprimé en 2010. Donc l'application SAIP, j'en étais tout à l'heure, donc non activée le 14 juillet, elle est arrivée tardivement le 18 mars, et puis il y a même eu une fausse alerte le 18 décembre, c'est-à-dire qu'on a envoyé des messages pour finalement quelque chose qui n'était pas un attentat. Donc l'État a décidé de mettre fin à l'application SAIP, qui était l'écho au projet SAIP, où l'État a quand même injecté 83 millions d'euros. D'accord, pour moderniser les sirènes, j'ai peut-être oublié de le préciser, qui est une chose importante. Donc ça a été arrêté le 28 mai 2018 pour l'application mobile. Donc si on fait un bilan, en fait, il y a une confiance de l'État, en gros, après la Seconde Guerre mondiale, vraiment dans les sirènes. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est déjà écrit dans des rapports, que ce soit celui de IRL ou du député Vogel. Les individus sont perdus par rapport à ce signal, et puis surtout, c'est que c'est un signal qui a été uniformisé, mais qui n'est pas équivoque, puisqu'en gros, en cas d'incendie ou en cas d'évacuation ou de confinement, ce serait peut-être plus simple de le présenter comme ça, eh bien en fait, on a un seul signal qui dure 1 minute 41 secondes avec une pause de 5 secondes, répétée 3 fois, ce qui en gros est incompréhensible, si je me permets de le présenter comme ça. Donc aujourd'hui, le présent, je vais parler du septembre 2021, puisqu'il y a des évolutions à venir l'année prochaine. Alors, donc on a les sirènes SAIP. Donc sirène du système d'alerte et d'information à la population, avec un lancement en 2010 pour un déploiement attendu fin d'année prochaine. Certains territoires sont déjà couverts, je pense à la région PACA principalement. Et donc ce qui est assez intéressant à faire, c'est qu'on a regardé la localisation des sirènes RNA et on a regardé les prochaines SAIP. Et pour aller très vite, en blanc, c'est les sirènes RNA qu'on a conservées. Les points noirs, ce sont les nouvelles sirènes SAIP, et en point gris, les sirènes RNA dont la responsabilité est laissée à la charge des communes. Et si vous regardez dans un certain nombre de territoires, notamment sur la partie ouest de la région PACA, il y a beaucoup de communes, parfois elles ne le savent même pas, qui ont des sirènes et qui doivent les maintenir ou qui doivent assurer le fonctionnement si elles le veulent. Ça va replanter, c'est récurrent quand ça apparaît en blanc. Et donc en gros, si on voit la logique SAIP, c'est une priorisation sur les villes importantes, sur les zones où la densité de population est élevée, au détriment d'autres zones, pour des choix économiques, politiques, on va dire ça, en sachant que, vous l'avez montré, la partie ouest de la région PACA, c'est une des régions qui potentiellement fera face à des incendies, mais il y a aussi des inondations, il y a d'autres risques qui évidemment toucheront, je ne le souhaite pas, mais il y a des risques présents dans ces territoires. Ça va peut-être revenir. Donc ce qu'il faut savoir pour les sirènes SAIP, c'est qu'il y aura 5500 sirènes SAIP dans le nouveau réseau, mais celles-ci vont couvrir uniquement 2200 communes. Donc si on fait le ratio par rapport aux 36 000 communes, ça veut dire qu'il en reste un peu plus de 33 000 où il n'y aura aucune sirène SAIP. Alors pourquoi pas, parce que la sirène, elle parle pas, mais bon, ça c'est autre chose. Ça veut donc dire qu'il y a une nécessité, un besoin d'avoir d'autres outils d'alerte à la population à disposition des maires ou des préfets. Et ça va arriver. Je crois qu'il va falloir se passer des supports PowerPoint et improviser. C'est ça qui est merde. C'est ça qui est... Non. J'ai tout fait. Attends. Wow, c'est bon. On en profite. Vite, faut que je fasse la fin, du coup. Donc, on a aussi les réseaux sociaux. Puisque le ministère, en 2016, a annoncé justement s'investir sur cette plateforme, enfin sur différentes plateformes, vous savez autant que moi qu'il existe différents réseaux sociaux. Alors le compte Beauvau Alerte, j'ai regardé la semaine dernière, il y a 112 000 abonnés, il y a eu 48 tweets.
ce qui fait rêver ou discuter, à mon avis, en sachant que l'État discute aussi avec deux grands réseaux sociaux, en gros, Facebook et Google, où il y a Safety Check et Google Alert, qui seraient potentiellement utilisés. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que, évidemment, dans la pratique, dans la réalité des faits, c'est très peu utilisé. Donc il y a des outils qui sont mis en place, mais on ne les utilise pas. J'en profite, comme ça je vais avancer. Alors, ah ben dommage. Donc la question aujourd'hui qui se pose, et on va en parler je pense pendant ces deux jours, c'est qu'aujourd'hui on a plein d'outils qui existent, qui sont mis à disposition des communes ou des préfets. Ah, faut que tu reviennes juste en arrière du coup. On a certains prestataires qui sont présents aujourd'hui, je vais pas faire la liste, comme ça je fais pas de pub pour l'un ou pour l'autre. On a une alerte à la population qui est possible via des applications. Certaines communes ont mis en place leur application mobile, des automates d'appel, du porte-à-porte, des SMS localisés ou du cell broadcast, c'est ce qui va arriver l'année prochaine et je vais en parler juste après. Et puis il y a aussi le système e-call, les objets connectés, etc., etc. Et aujourd'hui, la vraie question qui pour moi est problématique, c'est que le défi n'est pas technologique, il est humain. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de solutions qui existent. Je passe ? Oui, je veux bien. Mais en fait, pour le grand public, c'est le bazar total, c'est ce qu'on appelle la cacophonie de l'ignorance. Et si on regarde le bilan par rapport au passé, en fait, c'est toujours vrai. On a une doctrine opérationnelle qui n'est pas si claire que ça, et les opérationnels le savent. Et puis, les individus sont encore plus perdus qu'avant. Ce qui est quand même un peu contradictoire. Donc je vais passer sur le futur rapidement, parce que du coup, je ne sais pas en termes de timing où j'en suis. Donc l'État, alors, il y a deux choses. Il y a la directive, il y a le décret pardon, européen sur les télécommunications qui a été acté par l'Union européenne le 11 décembre 2018 et qui impose à tous les États membres la mise en place d'un système d'alerte par SMS au plus tard le 21 juin 2022. Première chose. Le deuxième, je ne vais pas dire grâce à Lubrizol, mais grâce à l'incendie industriel, l'État a bien vu qu'il y avait un certain nombre de défaillances. Et le ministre de l'Intérieur lui-même a annoncé l'année dernière, le 24 septembre 2020, l'arrivée, la mise en place d'un système hybride qui va coupler la diffusion cellulaire, ce qu'on appelle le cell broadcast, et l'envoi de SMS géolocalisés. Donc, deux minutes. Ouais, il reste par là-bas, je crois que c'est ton micro qui, en fait, qui fait bugger le truc. Alors, la diffusion cellulaire. Le principe, il est le suivant. Je ne vais pas tout détailler, mais en gros, c'est un système spécifique qui est actuellement développé par les opérateurs et l'État a injecté 37 millions d'euros pour que ce soit mis en place. En métropole et également sur les territoires d'outre-mer. Ça ressemble à ce qui est à gauche, c'est-à-dire que vous allez avoir une notification sur votre téléphone, qui est une notification push, avec un son strident, qui risque de vous réveiller, et qui peut même vous réveiller ou réveiller le téléphone si celui-ci est éteint. Ce qui sera super. On a regardé, en termes de couverture spatiale, si tous les téléphones avaient le système d'exploitation adapté, on pourrait couvrir 80% de la population, ce qui est quand même mieux que les 32% des sirènes. Sauf que, pour ça, il faut que les smartphones soient de nouvelle génération. Et il faut que l'État utilise le système. Donc le problème, c'est que l'année prochaine, l'État pourra avoir cette plateforme à disposition. La question de l'usage, elle se pose, mais c'est surtout que si l'État l'utilise, aujourd'hui, les opérateurs ne sont pas capables de dire qui va recevoir ou non le message, la notification, pardon. Ensuite, sur l'autre système, le LBSMS, donc c'est le SMS géolocalisé, pardon, ça ressemble à un SMS classique. Donc ça veut dire qu'il faut aller voir dans ces messages, le SMS d'alerte. En sachant que les SMS sont, ou l'envoi des SMS sont sensibles à la congestion sur les réseaux de télécommunications. Vous le savez tous, le 31 décembre, il y a quelques années, quand vous vouliez envoyer un SMS, ça prend du temps. Le système, il est toujours identique pour les SMS. Donc s'il y a une menace imminente, type intrusion, type tsunami sur les côtes littorales méditerranéennes, puisqu'il y a un risque qui est présent, les SMS vont prendre du temps à être envoyés. D'accord ? Et on disait tout à l'heure qu'il y a des SMS qui sont envoyés, parfois ça prend du temps avant d'arriver. L'avantage, par contre, du SMS, c'est que ça couvre quasiment toutes les communes et tous les territoires, puisqu'en gros, il suffit d'avoir au moins le réseau 2G, 3G, 4G pour avoir le SMS. Alors que la diffusion cellulaire, c'est que sur la 4G. Peut-être obligé de le préciser. Alors au final, parce que j'aurais beaucoup parlé, donc la future plateforme, elle va s'appeler FR Alert. Et donc, tous les canaux vont être intégrés dans cette plateforme.
Le superbe avantage, et là j'insiste là-dessus, c'est que tous les canaux seront interfacés, ce qu'on appelle CAP, c'est un protocole d'alerte commun qui est un standard international décliné à l'échelle européenne et décliné en France, parce que les Français aiment bien faire du français. Ça a pris un an et demi avant d'être transposé dans la loi, donc c'est déjà fait, heureusement. Et donc il y a une plateforme qui va être créée et mise à disposition de l'État, et tous les canaux qui viennent se pluguer à la plateforme en entrée, eh bien, recevront le message à sortie. Donc ça veut dire qu'on peut imaginer les automates d'appel, les panneaux à messages variables ou d'autres outils. Pour finir, c'est bien parce qu'on a une harmonisation. Le risque, ce sera un avis personnel, c'est que l'outil va devenir préfectoral. Parce qu'en gros, c'est facile de donner la main à une plateforme sur une centaine de préfectures. S'il y a 36 000 communes qui ont la main et qui pourront faire de l'alerte avec ce système-là, peut-être que le public risque d'avoir plusieurs alertes par jour pour différents événements. Donc la doctrine, pour moi, elle est aussi fourre-tout parce qu'il y a des événements qui relèvent de la sécurité publique et d'autres qui relèvent de la sécurité civile. Alors la nuance, elle est importante, mais il y a des événements qui, pour moi, n'ont rien à faire dans cette plateforme-là, mais c'est le choix de l'État. Et puis ce que je disais pour finir, parce que je pense que j'ai été trop long, c'est que l'enjeu de demain, il est plus technologique, il est clairement humain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il va falloir habituer le public à recevoir ces messages. Et surtout, qu'est-ce qu'on met dedans? Donc on a un stand, si vous voulez qu'on en reparle, on peut en discuter plus longuement. Merci pour votre attention. Merci, Julie. Merci Johnny, et encore mille excuses pour ces problèmes techniques. Je crois qu'on a identifié, il y a le micro HF qui interfère avec le dongle, donc je crois qu'on est sur la piste de la résolution si on écarte ces deux pièces. Est-ce qu'il y a peut-être des questions pour Johnny? T'es parti trop vite, tu restes la star de quelques minutes. Et pour les gens qui n'ont pas le temps, je vous rassure, il y a un stand Cap Alerte qui est au niveau du forum, où vous pourrez continuer ces échanges avec Johnny et le reste de son équipe. Monsieur Boucher. Oui, bonjour. Moi, j'aurais une question par rapport au CAPFR. Est-ce que la description est ouverte à public ou on peut la trouver en chaîne? Ça, je passerai voir sur le stand au pire. On l'a et on peut la fournir puisque normalement, c'est un standard qui est public. D'accord. Et toujours le même site, mais c'est vraiment la même chose. C'est Gilles Lassourire, parce que c'est un sujet que j'ai abordé plusieurs fois avec lui. Est-ce qu'il y a un type d'API qui permettrait à chaque groupe de personnes, par exemple, de pouvoir diffuser une info? Écarte un petit peu. Oui, voilà. Voilà, je suis désolé. Ça sature sinon. Je ne sais pas si vous avez compris ce que je voulais dire. Ouais, je vois ce que vous voulez dire. C'est pas si clair que ça sur la possibilité de l'API ou non. Donc, c'est ça. Oui, mais il est ouvert au public? Il est où? Ouais. Le protocole, on peut vous le fournir puisque nous, on l'a eu par la DENUM, qui est la direction qui pilote le projet. D'accord. Merci beaucoup. Il y aura peut-être un complément d'information ou une autre question un peu au-dessus, juste au-dessus de toi, Damien, à ta gauche. Et après, je suis désolé, juste on va devoir... globalement, on s'excuse, je me permets de le repréciser, de bien avoir le micro un peu éloigné, parce que sinon, on n'entend vraiment pas. Merci, Mag. Justement, il y a déjà certains pays qui utilisent ces protocoles CAP, type Oasis, comme un alerte protocole, ça veut dire. Et justement, est-ce que vous avez fait du benchmark avec des pays qui ont déjà des systèmes d'alerte à la population assez performants? Je pense à Israël, par exemple. Je pense à d'autres, certains pays du Nord. Et comment vous avez utilisé ces benchmarks pour arriver à ça? Ouais, merci. Il y a deux ans, on a fait un benchmark pour le ministère de l'Intérieur, pour le Chémie, qui est le centre d'études du ministère de l'Intérieur. Et on a regardé les systèmes d'alerte nationaux qui existaient en Australie, en Indonésie, en Belgique et aux États-Unis. Il y a des collègues d'ailleurs qui sont dans la salle qui sont partis. Et là, actuellement, on est en train de comparer les caps de plusieurs pays, puisque certains caps sont publics. Et on est en train de voir si la France est spécifique, sur quel point et pourquoi, etc. etc. Donc c'est en cours de finalisation. Merci. Ouais, on en profite, mais... En fait, il y a un aspect, il y a quand même une propagation humaine dans les alertes. Oui. Donc, combien il faut que le pourcentage de la population soit couverte, excusez-moi l'expression, pour que le téléphone arabe marche? Alors c'est une bonne question. On sait que les outils d'alerte ne pourront pas toucher tout le monde. Ce sera irréalisable. Et c'est pour ça que l'avantage de faire cette alerte multicanal, c'est d'utiliser différents canaux où les personnes sont présentes. Avis personnel, je pense qu'il faudrait trouver le seuil
de personnes qu'on peut alerter qui pourraient ensuite entraîner d'autres personnes pour avoir, entre guillemets, des comportements de mise en protection. D'accord. Après, ces seuils-là, ils sont contradictoires, c'est-à-dire que comment on choisit les personnes qu'on va alerter et pas les autres. Voilà. Après, pour moi, le défi, mais j'arrête parce que sinon je vais me faire gronder, le défi, c'est d'envoyer un message unique qui parle à tout le monde. Et ça, beaucoup de travaux l'ont montré. Un exemple très précis, quand vous écrivez « n'allez pas chercher vos enfants à l'école », certaines personnes vont y aller, pour plein de raisons différentes. Pas forcément confiance dans l'école, pas forcément confiance dans l'incite, ah, on nous cache quelque chose, je vais voir, etc. Donc il faut travailler là-dessus. Mais ça, ça va prendre des années, puisque c'est compliqué. Et peut-être avec l'intelligence artificielle, on pourrait utiliser... Bah, bref, j'arrête. Merci. Merci Johnny. Donc vous pourrez le retrouver au niveau de du stand du projet Cap Alert au forum, avec les restes de l'équipe du projet. Donc Johnny, tu nous as exposé pas mal de moyens différents pour alerter la population, qui dépendent tous, très souvent, d'un opérateur de téléphonie. Mais que peut-on faire si on n'a plus d'opérateur de téléphonie? C'est quand même un vrai sujet. Et là, peut-être que la voie du spatial, la voie du satellite peut peut-être répondre à ce sujet-là. Et avec Laurent Arzel, hop, derrière moi, de Téléspatio, vous allez pouvoir peut-être nous présenter un dispositif ou un début de projet qui s'appuie sur Galileo, c'est ça? Oui, donc une nouvelle solution. Alors, j'aime pas ces petites choses-là, je vais faire ce que je peux. Et au pire, je vais parler très fort. Collé comme ça? Ok. Mais sauf que je suis un peu italien, je fais ça avec mes bras. Donc je suis désolé, j'ai mis un peu de bazar là, parce que on est en train de préparer une démonstration que je vais retransmettre en théorie, tout en présentant des choses. Donc c'est très très ambitieux en 15 minutes. J'en sais rien du timing, mais ça m'a l'air un petit peu mort là. Donc je vais faire ce que je peux. Et là, de toute façon, il n'y a rien. Et là, ça va fonctionner. Ouais, la démo, elle va me fonctionner. Après, on va peut-être pas la voir, donc ça peut être très utile. Peut-être expliquer la démo. Déjà, nous expliquer un peu la démo. Ouais, après, je peux tout faire sans slide, il n'y a pas de souci. Déjà, je me présente, je m'appelle Laurent Arzel, je travaille pour Téléspatio France. Je suis venu avec ma chef, Axel Pommiès, de Téléspatio France, et Kevin Salzac, bon, ils sont sortis. Kevin Salzac de Thales Alenia Space. Donc, ce qu'on va essayer de vous présenter, c'est une solution européenne, une nouvelle capacité satellitaire. Donc le spatial existe déjà dans les domaines, là j'avais oublié, il y a l'observation de la Terre pour la modélisation, les données, l'observation. Et en fait, on apporte une nouvelle composante qui sont les satellites de navigation, donc ce qu'on appelle communément le GPS, mais qu'on appelle en fait le GNSS, qui est le nom générique, et le GNSS européen, c'est Galileo, qui est une constellation qui est aujourd'hui opérationnelle et qui fonctionne, et probablement la plupart d'entre vous l'utilisent déjà dans vos téléphones portables. C'est très très probable. Je vois que ça marche. Donc, le Galileo, c'est un système européen, et l'Europe, en fait, va fournir un service d'alerte par satellite à un horizon relativement court en comparaison avec d'autres programmes spatiaux. Donc on parle de 2023, donc je ne sais pas, peut-être qu'on imagine fin 2023, même fin 2023, c'est très très proche. Voilà, donc mon but aujourd'hui, vraiment, même si j'ai pas de slide, même si j'ai pas de démo, c'est de vous sensibiliser sur cette capacité qui est très méconnue, parce qu'on est très peu à y avoir travaillé. En fait, il n'y a que Telespatio et Thales Alenia Space, par le biais d'un projet qui a eu lieu en 2017. Je peux meubler hein, pendant une heure, deux heures, trois heures, ce que tu veux. Prends sur l'option sans slide. Mais du coup, on va devoir sauter le déjeuner, je suis désolé. où j'en étais. Donc, système européen pour la télépopulation qui a un énorme potentiel. Et donc, je suis là pour vous sensibiliser, c'est la première chose, et le maximum de gens. Donc, je ne sais pas combien il y a de gens qui nous regardent en direct. Bon. Plusieurs milliers. Voilà, millions. Vous sensibiliser parce que c'est un système européen qui va être opérationnel et disponible. Donc c'est à vous de l'utiliser, aux acteurs de terrain. Mon deuxième point, c'est surtout, venez nous voir, posez-nous toutes les questions, maintenant ou plus tard. Nos
coordonnées sont faciles à trouver. Parce que, en fait, c'est la navigation spatiale, c'est un nouvel acteur dans ce microcosme, dans cet écosystème. Et on a besoin, même si on a déjà étudié, on a déjà consulté les utilisateurs dans le monde entier, en Europe, etc., on a encore besoin de feedback du terrain. Parce que même si on conçoit un service, en fait, l'interaction avec le terrain, ça va être quelque chose d'itératif. Et pour, on a inventé quelque chose de fou et de génial. Ça marche. Peut-être qu'on le verra. Mais l'intérêt, vraiment, c'est à chaque instant, enfin à chaque instant, le plus souvent possible, échanger avec vous. Oui. Parce que le système, il est européen, donc là, on se situe à un niveau transnational. Mais en fait, le service, il peut être utilisé jusqu'à un niveau très bas, peut-être régional, en France. Voilà. Le type d'alerte ? Alors. Ok, super. Après, je ne sais pas s'ils m'entendent. T'as bien entendu. Vers ça. Kevin, tu m'entends ? Kevin, tu m'entends ? Bon, on va parler de la simulation. On ne va pas faire comme c'était prévu. Pourquoi ça ne marche pas là ? Pourquoi je ne vois pas la même chose ? Ah, c'est figé. Ah, voilà. Quel type d'alerte ? Tout type d'alerte. On fournit une capacité, un moyen, avec des avantages que je vais essayer de présenter. Enfin, je vais essayer de vous convaincre avec ces avantages. Après, c'est un canal. Donc, on met ce qu'on veut dedans. Donc, l'idée, comme c'est européen, voire mondial, on ne va pas donner cette capacité à 36 000 communes en France, parce qu'il faudrait le faire dans les je ne sais pas combien de communes dans le monde ou même en Europe. Donc, c'est plutôt un système d'alerte. Je vais m'éloigner, je ne sais pas. C'est plutôt un système d'alerte au niveau national. Donc, on a prévu un scénario pour faire une simulation. Donc, du coup, je ne vais pas présenter mes slides, apparemment. C'est pas grave, j'improvise. On a prévu un scénario, j'ai essayé d'être réaliste, donc j'ai fait des recherches. J'ai vu que le massif, là, bon, on vient de Toulouse, hein. J'ai vu que le massif, là, il avait l'air d'être, victime d'incendies régulièrement. Sensible voilà, au feu de forêt. Donc, c'est que du texte, hein, mais on a prévu un feu de forêt dans une zone grossièrement sur le massif. Et vous voyez, il y a deux zones, j'y reviendrai. L'idée, c'est que là... Bon, ben voilà. C'est parti, en fait. Comme ils ne m'entendent pas, ils ont déroulé la simu. Ils se sont mis dans la zone. Et on voit que... Alors, c'est simulé. Je n'utilise pas vraiment de satellite. Ce n'est pas possible. En tout cas, on a un démonstrateur avec un prototype. Voilà. Donc, ils sont dans la zone rouge. Et ils reçoivent une alerte. Par contre, c'est allé trop vite. Bon, je la remontrerai. Mais elle contient différents éléments qu'on a identifiés pendant la consultation du projet initial. Et notamment une instruction particulière pour la personne, pour la zone, pour les personnes qui le reçoivent, et une instruction générique du type rester informé en allumant la radio, prenez soin des personnes vulnérables, ce genre de choses. Ça a été un feedback de Météo France qui était aussi qui a aussi participé au projet. Et on a des informations. Je suis quand même loin. Hein. Je ne veux pas être plus loin. Là. Ah, mais là, ça dépasse. Les informations de sévérité de l'alerte, enfin, ou de l'événement, sa durée, sa date de début. Voilà, principalement ça. Ce qui veut dire, juste pour entretenir et te donner un petit coup de main, parce que c'est jamais simple de présenter sans slide, on imagine que sur la Technopole de la Roye, pour un feu catastrophique qui a fait tomber tous les réseaux de téléphonie, ou même en complément des réseaux de téléphonie, on pourrait, via le réseau satellitaire, cibler une zone de forme quelconque ou la moins compliquée possible, tu m'en avais un petit peu parlé, et on pourrait descendre, faire du top-down, deux messages directement. Alors, sur les terminaux de tous les gens qui sont dans cette zone. Tu as dit plein de choses importantes. En fait, l'énorme avantage du satellite, premièrement, en tout cas du GNSS, de Galileo, c'est que c'est un moyen de communication avec des récepteurs très très communs, tels que le smartphone, qui fonctionnent sans réseau mobile, sans rien. Donc
j'ai fait des démonstrations en Europe et en Australie sans carte SIM, et ça fonctionne, même avec des vrais satellites. Donc ça, c'est l'effet waouh. Ça, c'est l'effet satellite. C'est le premier effet. Le deuxième effet, c'est que les satellites Galileo, les satellites de navigation, il y en a tout le temps au-dessus de nos têtes. Galileo tout seul, c'est une trentaine de satellites qui sont uniformément répartis au-dessus de nos têtes, et par design, pour faire de la localisation, la fonction première du GNSS, on a toujours des satellites en visibilité. Tout le monde, à condition d'être dehors. Là, ça ne marche pas, c'est un autre point. Et ces satellites, ils émettent en permanence des signaux tout le temps. Donc tout le temps, il y a un canal d'envoi d'informations possible entre l'espace et le téléphone portable. Et là, on a presque tout compris. Le dernier truc important, c'est que le système, c'est du broadcast. Je ne connais pas le terme en français, je suis désolé. Du broadcast, ça veut dire que j'envoie un seul signal. Là, par exemple, je peux envoyer un seul signal physique. Et tout le monde dans la salle peut le recevoir en même temps. Il n'y a pas d'effet de chaîne et d'attente. Donc, la latence est extrêmement faible. Ça ne peut pas être plus faible. Donc, ça ne peut pas être plus, le système ne peut pas être plus rapide. C'est très important à comprendre. Ok, et il y a forcément des points faibles. Il y a des points faibles. Je vais revenir sur... Il y a un des points, c'est que l'alerte est géolocalisée. C'est précis. On utilise la localisation du téléphone pour cibler la personne. C'est pas qu'on la cible, c'est on diffuse partout, et les personnes qui sont dans la zone, les récepteurs, les téléphones qui sont dans la zone, vont notifier l'alerte. S'ils ne sont pas dans la zone, ils vont la recevoir, mais ils ne vont pas la notifier. Voilà. Je croyais qu'il y a quelqu'un qui me... l'innovation, en tout cas dans la méthode d'alerte, qui est venue dans le projet naturellement, c'est cette double zone d'alerte. Une zone rouge, une zone jaune, et la zone jaune, bon, on s'en fout de la couleur, mais c'est une zone périphérique. Et dans un même message, je peux envoyer deux zones concentriques, plus ou moins. Et l'idée derrière ça, en discussion toujours avec les acteurs de terrain, c'était d'avoir une zone rouge où l'événement est dangereux et on demande aux personnes de prendre une action pour se protéger, se mettre en sûreté, et une zone périphérique où on demande aux gens qui ne sont pas directement en danger, mais pas très loin, déjà d'éviter de se mettre en danger en rentrant dans la zone, donc ils reçoivent une notification, on leur montre les zones. Et on leur dit ça, et on leur dit aussi, s'il vous plaît, ne gênez pas les secours. C'est des choses qui arrivent. Ça c'est venu des discussions avec la sécurité civile sicilienne, je crois. Donc là, c'est une innovation. C'est un seul message, mais deux instructions. Les inconvénients, c'est... Les limites. Les limites. Ouais, les limites, c'est bien. Les limites, c'est que ce canal de communication a une bande passante. La taille du message que je peux mettre dans ce canal, c'est petit. C'est 120 bits, c'est 120, 0 et 1. Donc c'est pas du texte. Je peux pas écrire raconter ma vie, je peux pas dire cher monsieur, vous êtes en danger, etc. Donc j'envoie des codes. 120 bits, ça veut dire 2 puissance 120 codes différents. Donc je peux encoder 2 puissance 120 informations différentes, ce qui est énorme. Même si ça paraît petit. Et donc on a trouvé une solution, je ne sais pas ce qu'ils font, mais on a trouvé une solution pour encoder toutes ces informations, la sévérité, le type d'alerte, l'instruction, la zone, et on a gardé des paramètres pour des cas particuliers, etc. Alors forcément, je vais faire le poil à gratter. Donc ici, on est dans l'amphi, pour être prévenu qu'il y a un feu catastrophique qui arrive autour. Alors ça, c'est le deuxième inconvénient du GNSS, du GPS, de tous les systèmes de navigation. Ça ne marche pas en indoor, ça ne marche pas en intérieur. Il y a une faible pénétration, donc c'est possible. Le semi-avantage, c'est que pour faire de la localisation, on a besoin de plein de signaux de satellites en même temps, et ça, en indoor, ça marche très mal. Par contre, pour l'alerte, on a besoin que d'un seul signal. Et en fait, en intérieur, si vous ouvrez Google Maps, vous allez être localisé. C'est pas du satellite, c'est d'autres systèmes, c'est le réseau mobile, c'est le Wi-Fi, etc. Ça peut donner des localisations très précises. Donc vous êtes quand même localisé. Donc un signal qui par chance ricocherait dans les couloirs, etc., pour arriver jusqu'ici. Mais c'est peu probable. Donc ça, c'était identifié très vite parce qu'on travaille avec la Commission européenne, avec les gens qui font de la navigation, on connaît très bien ce phénomène. Donc on a pensé à des parades, et notamment faire des relais extérieurs. On peut imaginer sur des grands bâtiments publics ou même comme ici, des récepteurs sur le toit du bâtiment.
Bah, qui va recevoir l'alerte et qui peut le diffuser de différentes manières, par Internet, par, je sais pas, un bâtiment ultra moderne, qui a même des trucs pas du tout modernes, comme des sirènes, simplement ça. Le système, il est vraiment tout automatisé, c'est numérique, donc on peut le brancher avec n'importe quoi. Une autre information, c'est qu'en concevant le système, on a pensé à utiliser des standards. Donc notre système, même si la capacité d'envoi de l'information elle est réduite, on a prévu de prendre en entrée un standard dont on parlait, le Common Alerting Protocol, le CAP, qui est un format ouvert, on le trouve sur Google, hein, c'est très facile. Hein, et c'est du texte. Donc on peut lire le fichier. Par contre, on ne peut pas coder autant d'informations. Dans le CAP, j'ai appris récemment que les pays l'utilisaient de manière différente, mais on pourrait imaginer mettre du texte libre. Ça, on ne peut pas le faire. Donc il y a une réflexion à mener, et c'est pour là qu'on est là, et c'est pour ça que j'aimerais discuter avec vous. Quel type d'informations encoder, quel type d'instruction, quel niveau, etc. Aller très loin dans le détail. Voilà. Dernière question avant de laisser la question au public. Oui. Tu vois, c'est le mien de micro qui m'échappe. Bon. Et ce merveilleux qu'est-ce que j'ai oublié outil, oui. On l'a opérationnel pour quand? Parce que j'ai dit au début, ça va venir très vite. L'ambition de l'Europe, c'est de le mettre, d'avoir des services initiaux opérationnels, donc des premiers services, pas avec une garantie de service au max, mais des premiers services opérationnels fin 2023, ou 2023, bon, j'ai pas le... Donc pour les JO 2024, on peut se dire on aura un système de population disponible? On aura un service disponible, maintenant, c'est à vous l'utiliser, quoi. Mais si vous voulez l'utiliser, il faut qu'on discute pour co-construire la solution, co-construire la manière d'utiliser cette capacité qui est incroyable. Merci Laurent. Pour la petite histoire, c'est la première présentation à ma connaissance, pourtant je suis très investi dans le domaine de l'alerte avec Johnny, de dispositif de Galileo. Donc c'est une grande première que nous avons d'avoir cette présentation. J'en tire pas de fierté, hein, mais merci, c'est l'inverse, je suis content d'être là. Quoi. On va avoir plein de questions, j'imagine. Damien, ça part déjà par là. Putain, j'ai passé au moins 5 heures à préparer des slides. Pardon. Bonjour. Quelles sont les couches logicielles à prévoir côté du téléphone et sont-elles déjà disponibles? Okay. Excellente question. Alors, vous avez vu pour le prototype, on n'a pas eu le choix que de développer une application mobile. On a fait des analyses d'impact et d'adoption dans le premier projet qui s'appelle GRAL, GRA2LE, 2017-2018. On trouve de l'information sur Internet de la Commission européenne. Donc une première solution, c'est d'utiliser une application mobile. On a fait le même genre de constat que présenté par Johnny, l'application mobile, ou qu'on a pu faire nous-mêmes avec les premières applications contre le Covid. Il y a un problème d'adoption parce que les gens ne le téléchargent pas, l'installent pas et l'utilisent ou pas. Donc c'est très perfectible. Par contre, ça permet d'avoir quelque chose de prêt tout de suite. L'ambition et l'objectif réalisable, c'est faisable, on l'a fait pour d'autres projets de sécurité civile, c'est de prendre contact avec les fournisseurs d'OS, donc Android et Apple, en fait surtout Android, qui couvre la majorité du marché et qui est beaucoup plus moteur et ouvert sur ce genre de système, et de les convaincre, je pense pas qu'il y ait de difficulté, de l'inclure comme une fonctionnalité native de l'OS. Et donc c'est plus une application mobile et c'est des notifications fournies par l'OS. Techniquement, il n'y a aucune difficulté, rien. L'information est déjà là, il y a juste à récupérer une information quelque part dans le téléphone et la traduire. Juste ça. Oui, merci pour la présentation. Et je pense qu'on est d'accord avec ça, c'est-à-dire que d'un point de vue technologique, ça marche. Par contre, ceux qui vont prendre la décision, quand vous dites nous, on pourra l'utiliser, c'est les autorités qui décident sur cette partie-là. Même les opérateurs, ils sont contraints par le ministre de l'Intérieur, enfin par le ministère de l'Intérieur, de faire un certain nombre de choses. Donc ma question, c'est quand vous dites notamment que ça passe par la diffusion cellulaire, donc le cell broadcast, en France, ils sont partis sur le 4G, en métropole, pour l'instant. Dès à présent, les opérateurs nous disent que selon le type de version, sous Android ou l'iOS ou Apple, ça ne va pas fonctionner. Donc est-ce que le satellite va marcher sur tous les smartphones ou pas? Alors, j'ai noté ça quand tu as parlé. Je peux te tutoyer, non?
Ouais, j'ai noté ça quand tu as expliqué tout à l'heure. Ça m'a étonné un peu, donc je ne sais pas, on pourra en discuter. A priori, de toute façon, les OS de téléphone, il y a une courbe d'adoption là, tous les 3 ans, les OS, genre 90% du marché a changé d'OS. Donc il y a des cycles en 2-3 ans, donc ça va très très vite. Même sans ça, ça pourrait marcher sur des téléphones maintenant. Le problème, la seule difficulté, en fait, software, il n'y a pas de difficulté. Google est capable d'installer des choses sur votre téléphone sans que vous le sachiez. Ce n'est pas une cachotterie, hein, c'est des choses réglementaires pour notamment l'appel au 112 qui est géolocalisé. Et c'est récent, ça date de l'année dernière. Et c'était notre projet avec l'Europe et différents ministères de l'Intérieur. Donc ça, ça a été fait. Je l'ai vu de mes yeux. En une nuit, il y avait 3 départements qui avaient le système. Les gens dans le département, enfin, le système était déployé sur tous les téléphones du département, jusqu'à une certaine génération, mais c'est très ancien, c'est Android 4, quoi. On parlait d'Android 4, et là on est Android, je ne sais pas, 10, 11, 12. Donc ça remonte à loin. La difficulté hardware, je trouve pas les mots français, quoi, c'est qu'il faut que la puce du téléphone elle soit compatible Galileo, donc qui est une petite puce qui coûte rien du tout, mais par contre il faut que le téléphone ait cette puce compatible avec Galileo. Elles sont toutes compatibles avec GPS, très très souvent aussi avec le système russe, très souvent avec le système chinois. Et maintenant, les nouveaux téléphones vendus en Europe, d'ici 3 mois, ils devront tous être Galileo aussi. Donc le problème, il est de toute manière temporaire, mais à court terme. On va prendre une dernière question pour toi, Laurent. Je crois que j'ai vu le micro était déjà... Oui, bonjour. Je ne sais pas si on entend bien. Capitaine Gaillard, du S10-13. La durée entre le choix d'envoyer l'alerte et la retombée sur les smartphones, c'est combien en moyenne ? La latence entre l'envoi et la réception ? Oui. Alors, je n'ai pas pu tester. Ça peut être quelques minutes. C'est l'énorme avantage. En fait, le temps de trajet dans l'espace, c'est quelques secondes. Donc il faut juste que le message parte dans le système, il passe dans des tuyaux, des machines, etc. Et c'est là où ça perd du temps. Mais c'est de l'ordre de quelques minutes. Il y a d'autres services Galileo pour la sécurité, pour le recherche et sauvetage, par exemple. Il y a des garanties de service fournies par l'Europe. Et c'est quelques minutes. Ou à 99%, 10 minutes, je ne sais pas. Quelque chose, c'est l'ordre de grandeur. Donc, je suis nouveau ici, j'espère faire partie de la famille maintenant. À mon avis, 10 minutes, c'est très très précieux, quoi. Ouais, ça va, c'est ce que c'est les mêmes problématiques que disait M. Roumaniac sur la courbe de latence, elle est intéressante sur l'envoi et la décision. Hein, c'est ce qui, sur un feu de foie, par exemple, qui est une cinétique très rapide, si ça part là en 5 minutes, vous êtes dedans de toute façon. Donc c'est une des questions qui est fondamentale pour la diffusion de l'alerte. Hein. Mais du coup, 10 minutes, c'est bien ou c'est pas bien? J'arrive pas à savoir. Sur un feu de foie, c'est long. C'est long. Ouais, et c'est quoi? Si vous êtes à côté, c'est long. Après, si vous voulez prévenir des évacuations, des choses comme ça, dans l'anticipation, c'est très bien, mais dans la gestion rapide des choses, c'est très long. Ça, c'est très important comme entrée. Le système, il n'est pas figé. Hein. On est en train, il y a une première version, etc. Après, les infrastructures spatiales on va les faire évoluer. Mais ça, c'est des entrées du terrain, c'est des besoins utilisateurs qu'on transcrit ou qu'on traduit en spécifications techniques. Et ça, c'est important. Nous, on avait imaginé une latence à une minute, mais on n'a pas pu la vérifier. Mais c'était l'idée, c'était un truc très rapide. Alors là, je dis 10 minutes parce que c'est un exemple que j'ai sur un truc équivalent, mais d'accord, ça c'est important de le savoir. Merci. On poursuivra les échanges. Donc Laurent, Axel et l'équipe de Téléspatio est présent avec nous toute la journée et ce soir, je crois. Oui, et ce soir, demain matin peut-être. Donc bien. Voilà, donc on va pouvoir se nourrir encore de plein d'échanges et vous avez vu, ils sont en attente de. Oui, ils vont me voir. Donc c'est du aller-retour. Je suis très gentil. Anna, je crois que c'est ton tour. Oui, on va avancer encore un petit peu plus dans cette chaîne de la résilience et on va aller se placer au moment où l'événement arrive, cet événement que l'on a anticipé, que l'on a observé, que l'on a détecté, pour lequel on a alerté, il survient et on va se placer du point de vue du gestionnaire du territoire. Et donc, quels outils a ce gestionnaire à sa disposition pour gérer la crise une fois qu'elle arrive? Et vous allez, Pierre Salmoner, donc fondateur de la société JEP Partners, nous parler d'un projet de développement d'une plateforme de gestion des risques pour le gestionnaire. Tout à fait. Et je suis très content de parler avoir de projection parce que j'ai pas prévu de slide, donc ça tombe très bien. Non, plus sérieusement, donc le projet Puma ou Puma X est un projet qui est financé par l'État et les collectivités territoriales, et sa finalité c'est
de créer une plateforme capable d'intégrer un ensemble de déclencheurs, sans que ce soit des déclencheurs physiques ou alors des faisceaux d'indices, enfin, ce qu'on appelle des faisceaux d'indices, ce qui peut être initié par notamment par les réseaux sociaux, pour déclencher cette alerte, mettre en œuvre l'ensemble des moyens pour répondre à cette alerte, et après faire un retour d'expérience et être capable de faire évoluer la réponse de la collectivité ou de la société qui a déployé la solution pour s'améliorer. On a ici un certain nombre de partenaires du projet. Le premier ou l'un d'entre eux, en tout cas, étant Alix ici présent. On a Philippe avec C2i Télécom et on a David sur la partie Hypervision. Alors, je voulais vous faire aussi un petit clin d'œil à Claire Andrex, qui est à l'origine du projet, qui est un projet qui est assez ancien, qui s'appelait à l'origine TIG, et dont la finalité est exactement celle du projet actuel. Je ne vais pas vous redresser un tableau qui a déjà été dressé 50 fois, qui est celui de l'exposition au changement climatique. Je peux compléter aussi avec les problèmes Seveso, avec les attentats et les risques sanitaires, pour dire qu'on est dans une période qui semble être de plus en plus sombre, sur cet angle-là en tout cas. Nous, ce qu'on s'est dit, c'est que du côté de trois cibles, c'est-à-dire les collectivités territoriales, les grands comptes et les acteurs de la sécurité, les SDIS notamment, mais pas exclusivement, des boîtes privées aussi, ne disposent pas de tous les outils adaptés à leur mission. Et ça, c'est une vraie question. C'est-à-dire que moi, pour ma part, je travaille pour des boîtes comme Engie, comme EDF, comme Suez. Donc, je connais bien leur centre de supervision. D'accord ? Ils supervisent leur réseau, leurs infrastructures. Mais ils ont généralement, pour les meilleurs d'entre eux, dans un coin, un écran qui leur fournit la carte de l'évolution météo, fournie par Météo France. Je crois qu'ils ne sont même pas encore tous des clients Alix. Et ça me surprend toujours d'imaginer qu'on a des données qui nous rendent capables d'anticiper le plus possible les problèmes à venir et que les sociétés qui sont censées anticiper et être le plus réactives possible pour la gestion du risque ne sont pas équipées de ces outils. Donc la finalité du projet, c'est de mettre vraiment aujourd'hui ces outils à disposition de par tout un tas de leviers. Alors, je vais déjà vous présenter le contexte fonctionnel du projet. Un, c'est rechercher et visualiser l'ensemble des infos disponibles, eu égard aux problèmes qu'on a rencontrés, traiter les données pour l'aide à la décision, donc on parle d'intelligence artificielle ou non, donc ça vient donc en amont, lié au traitement de l'ensemble des images reçues, par exemple, au niveau de mon hyperviseur vidéo, n'est-ce pas ? Et ça vient aussi sur tout un tas d'autres déclencheurs de la crise qu'on peut intégrer à la plateforme. Troisièmement, on visualise l'information de façon synthétique. Donc, soit on la visualise sous forme de process, ce qui est de plus en plus fréquent dans les salles de supervision. Donc, on est en mode texte. Soit on a, c'est souvent le cas auprès des collectivités, une cartographie. Et on peut même avoir une cartographie 3D, parce que l'un des partenaires étant IGO, il est susceptible de fournir une cartographie 3D, dont je vous parlerai un peu plus tard. Quatrièmement, mobiliser les ressources internes. Donc là, on mobilise les ressources de l'ensemble des intervenants dans la gestion de la crise. Ça peut être vous, messieurs, dames, donc les SDIS. Ça peut être tout un tas d'autres acteurs en fonction de la nature de la crise. Et ce suivi de déclenchement et cette traçabilité des moyens mis en œuvre est essentielle pour plein de raisons. Un, pour la coordination. Et deux, pour un point que j'ai entendu tout à l'heure dans la présentation, c'est la responsabilité. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les maires et les acteurs de la crise ont des responsabilités, je ne dirais pas de plus en plus élevées, mais donc on met de plus en plus en jeu. Et on a aussi parmi nos partenaires du projet un acteur qui est un cabinet d'avocats, qui est connu du SDIS 13, spécialisé en droit administratif, et dont la finalité, c'est aussi de se dire, tiens, ma plateforme, on va essayer d'être performant, mais aussi on va essayer d'être cohérent avec la responsabilité de l'ensemble des rôles, maire, SDIS, préfecture et autres. Cinquièmement, on va alerter de façon ciblée les citoyens en danger, n'est-ce pas Philippe ? Donc là, le but du jeu, comme on vous l'a démontré tout à l'heure avec Telespatio, mais le sujet est quand même assez ancien, le sujet du SMSL broadcast, il doit avoir une vingtaine d'années, ce qu'il est dans la norme GSM quasiment depuis le début, c'est pas quelque chose du tout de nouveau. Ça a été freiné pour des raisons qu'on appellerait aujourd'hui de RGPD.
Mais aujourd'hui, on a des problèmes de performance liés à l'alerte de la population. Donc, le but du jeu, avec le partenaire C2I représenté par son patron, Nespin Philippe, c'est de zoomer, hein, comme on le disait tout à l'heure, le plus possible sur la cible la plus limitée possible pour éviter de faire ce qu'on appelle des alertes, enfin des faux positifs. J'alerte des gens qui n'ont aucune raison d'être alertés et qui, si ça se trouve, à quelques mètres d'écart sur une crue, sont à 100 mètres au-dessus du sol, ont respecté le citoyen et n'alerter que les cibles qui sont nécessaires. Et enfin, lutter contre les cybermenaces, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les cybermenaces peuvent avoir deux impacts. Le premier impact, c'est des fausses alertes. Ça se fait couramment. C'est vieux comme le monde. Et ça peut aussi être dans le piratage de la plateforme. Ben, aujourd'hui, quand on vend une plateforme, quand on essaie de vendre une plateforme à une collectivité ou à un grand compte, ou à un acteur de la sécurité, qui sont nos cibles commerciales, le but du jeu, c'est d'avoir une plateforme qui répond à ce qui se fait de mieux en termes de cybersécurité. Donc c'est un paramètre clé d'entrée dans le cadre de notre projet. Le résumé de ce premier slide, c'est qu'il y a aujourd'hui plein de solutions hétérogènes. Il y a des solutions qui font de l'alerte, des solutions qui font des PCS ou équivalents, ou de la cartographie en temps réel, plus ou moins temps réel de l'évolution d'une crue. Il y a des solutions qui font de la supervision ou l'hypervision vidéo dans l'ensemble des réseaux de caméras d'une collectivité. Nous, ce qu'on dit, c'est que tout ça coûte généralement cher et c'est très compliqué à intégrer pour des collectivités qui ne sont pas toujours très au fait en termes d'IT. Mais très franchement, les grands groupes, pas non plus, et les grands groupes étant aussi nos cibles. Donc Puma, c'est Puma X ou Puma, c'est quoi? C'est une plateforme qui est dont l'objectif, c'est d'être intégrée. Donc la collectivité qui va, ou le grand compte, ou le client qui va acheter la solution, va avoir une solution qui est unique, d'accord, donc intégrée. Facile à déployer, c'est-à-dire qu'elle est susceptible d'être déployée en mode web, en SaaS, donc je n'ai pas besoin d'intégrer à mon infrastructure, je vais juste définir mon niveau de sécurité pour que ce soit cohérent avec mes contraintes. Oui, c'est pas tout à fait ça, mais c'est pas mal. Ouais, on est en train de trouver un plan B, donc c'est ça. Tu vas bientôt avoir... pas de problème, j'ai presque fini. Un référentiel de données unique et sauvegardé, bah vous imaginez bien que quand vous avez des pompiers, mais des S10, ou quand vous avez d'autres types d'acteurs, bah chacun a son référentiel, son fond de plan. Hein, en travaillant pour des sociétés de gaz ou d'électricité, bah chacun a son fond de plan. Et donc, quand on se parle, on ne parle pas toujours de même référentiel, que ce soit de référentiel cartographique ou même de XY. Donc, le fait d'avoir un référentiel unique, ne serait-ce que patrimonial, ça permet de se parler plus facilement. Interface utilisateur simple et adaptée. Notre objectif, c'est que la plateforme soit accessible éventuellement en ligne. Je suis une petite collectivité de 50 habitants en Haute-Corse. J'ai quand même besoin de savoir s'il y a un problème de crue ou un risque de quelque nature que ce soit dans mon périmètre. Donc je peux m'abonner avec un budget qui va être à peu près équivalent à mon usage. D'accord, et je ne suis pas obligé de déployer des centaines de jours d'ingénieurs pour être capable d'intégrer ça à mes trois serveurs informatiques. Point suivant, c'est que la gestion, donc sécurisée des données dans le cloud, donc on parlait tout à l'heure d'RGPD, mais on parle aussi de cybersécurité. Dans le cloud, pourquoi? Parce que quand on a une salle de supervision, on travaille aujourd'hui avec un certain nombre de communes, à commencer par la ville de Cannes. On espère qu'on travaille aussi avec la ville de Marseille et quelques autres, la métropole. Le but du jeu, c'est d'être capable de fournir à l'ensemble des acteurs qui vont être généralement en un lieu unique la capacité de se connecter à la plateforme. Donc je ne me connecte pas à une plateforme qui est ce qu'on appelle on-premise, donc sur des serveurs où il va falloir que je m'authentifie et autres. Je me connecte à une plateforme qui est sur le cloud et qui permet à l'ensemble des intervenants d'avoir les mêmes données dans le même temps. Merci. Outils de communication fiable pour le partage et les alertes. Alors ça, c'est l'un des points clés. C'est que on n'a pas toujours, comme vous l'imaginez, la capacité de suivre le bon déploiement. Fantastique. On n'a pas encore la couleur. Non, c'est très... Alors, mais on a parfait. L'image. Donc on n'a pas toujours l'occasion de suivre... On l'a eu. On n'a pas toujours l'occasion de... c'est ça. D'avoir des... Merci. C'est bon. Top. Tiens. Ouais.
Attends, je garde juste ça. On n'a pas toujours l'occasion d'avoir, par exemple, quand vous envoyez un message, quand vous gérez une situation de crise, ou quand vous êtes dans des process qui sont des process critiques, vous avez besoin d'avoir un feedback, donc de savoir si votre message a bien été reçu par votre interlocuteur, et si vous êtes rentré dans un process, et comment se déroule ce process. Donc le but du jeu depuis Maïk, c'est en se reposant sur des normes du marché. On a parlé de CAP, tu parlais tout à l'heure d'Oasis, il y en a tout un tas, et qu'on est en train d'ailleurs de lister actuellement, de les intégrer au projet de sorte de ne rien avoir de propriétaire, c'est-à-dire qu'on ne se repose que sur les normes du marché. Et enfin, dernier point, un modèle d'abonnement au service délivré. Je ne vais pas m'abonner en tant que collectivité à les inondations si je suis dans une zone qui a relativement peu de risques sur le sujet. Je ne sais pas s'il y en a encore d'ailleurs à l'IX. Mais donc voilà le résumé, si vous voulez, du service qu'on veut monter, c'est interopérable, modulaire, évolutif, résilient et réplicable. L'ensemble des partenaires du projet, je vais vous les lister juste après, sont tous des acteurs qui bossent depuis 20 ans à peu près, plus pour certains que pour d'autres. Et donc chacun est relativement bien reconnu dans son métier comme étant un expert, voire un expert de premier plan dans son domaine. Donc il n'y a pas de sujet lié aux uns et aux autres. Le but vraiment du jeu, c'est de fournir cette plateforme intégrée. Et c'est assez rare parce qu'en général, en France, chacun joue un peu pour soi en se disant « Tiens, moi, je vais améliorer mon service, puis je vais faire mieux que les autres, puis je vais peut-être copier le service de l'autre. » Donc là, c'est le contraire. On a affaire à des gens intelligents. Moi, j'ai pas de service là-dedans, donc j'en parle d'autant plus facilement, mais c'est que chacun des partenaires, les cinq principaux partenaires, mettent au service de Puma sa technologie et ses ressources pour les intégrer à une plateforme unique. Alors, projet structurant et fédérateur, ça c'était le vœu pieux de Claran et c'est celui de Stéphane, du Paul et des partenaires. C'est-à-dire, on a monté le premier jeu Puma X, qui est aujourd'hui une réalité et qui est en cours. Le but du jeu, ça va être de monter d'autres sujets reposant sur la même plateforme, utilisant les mêmes référentiels, d'accord, conformes aux normes et aux standards du marché. Le but du jeu étant de, par exemple, deuxième étage, bien connu aussi d'Alix, c'est le service régional de cartographie rapide. Donc, il y a une crise. J'ai aucune idée de savoir comment mes routes et mes voies de communication ont évolué. Le but du jeu, c'est d'avoir aujourd'hui, enfin demain, les outils nécessaires à cette cartographie qui elle-même va être intégrée à Puma X pour être capable de gérer mes ressources sur le terrain et mes interventions. Alors, le socle de la solution, vous avez, comme je vous l'ai dit... Pour terminer ? Ouais, c'est quasiment. Merci. Un slide et demi. Puma X, c'est cette partenaire, donc... Je commence par la droite et Pascal qui a fait l'introduction tout à l'heure. Januar, donc qui travaille sur la main courante et la gestion des moyens pour la problématique d'optimisation et de traçabilité. Deuxième élément, les alertes avec C2I. Troisièmement, la cartographie 2D-3D avec IGO. Quatrièmement, Prédict sur les PCS dynamiques et les vigilances. Et enfin, une notion, je dirais la cerise sur le gâteau, qui est la partie supervision et hypervision. En deux mots, hypervision, ça veut dire qu'on prend des données de sources diverses pour les intégrer à la même plateforme et les rendre disponibles à ceux qui doivent prendre des décisions. Donc ça, c'est avec Prism, David, moi-même, et avec l'IMRED, qui est un laboratoire de recherche de l'université de Nice Côte d'Azur. Mon tout dernier slide, les principales innovations, vous en voyez ici 6, on a voulu vraiment les résumer. Donc un, c'est cette notion d'hypervision pour l'intégration de données hétérogènes. Je ne sais pas si ça vous parle, mais quand vous avez des images, prendre des décisions à partir d'images, c'est assez compliqué. Là, il n'y aura pas que des images, il y aura l'IoT, donc il y aura des déclencheurs sur le terrain, et il y aura des faisceaux d'indices, comme je vous l'évoquais, donc il y aura tout un tas de données, et le but du jeu, c'est de les intégrer à des process pour faciliter la prise de décision, des centres de supervision. PCS dynamique, Alix, on n'a pas le temps, mais sinon je t'aurais bien laissé la parole, mais l'expert est ici, couplé à la carte au 3D. Donc ce qu'on appelle les jumeaux numériques 3D, c'est-à-dire la volonté d'IGO et notre volonté de reproduire exactement les collectivités en vue 3D et non pas sur une vue aérienne comme on l'a aujourd'hui en 2D. Donc faciliter la prise de décision au regard à la connaissance de l'évolution du terrain. Traitement temps réel de données non structurées de l'image, par exemple, et structurées pour l'aide à la décision. Portage dans le cloud, ce qui est aussi un peu original parce que généralement chacun est un peu avare et veut garder ses données chez lui. Et enfin, ciblage des alertes à la population pour n'alerter que les bonnes personnes au bon moment. Merci. On a le temps pour quelques questions du public. Pierre, tu as été très clair. C'est ça. Moi, j'ai une petite question. Et pour quand pourront-on profiter de ce magnifique outil ? On se retrouve tous les ans.
et on vous montrera l'évolution de la solution. Ok. Rendez-vous l'an prochain. Allez, rendez-vous, pas l'an prochain, c'est dans deux ans pour Virus, pour une démonstration. Ok. Avec plaisir. Alors, on va rester dans les outils. Avec une présentation qui va forcément fonctionner maintenant. Hop, passe-moi le truc. Hop, merci. Du coup, j'en profite pour me présenter. Voilà, merci Jean-Louis. Jean-Louis Merman, donc je suis à titre professionnel chargé de mission au sein du département de Vaucluse, mais là je suis avec la casquette OpenSheet Map France. Donc représentant au sein de cette grande région sud-est. Alors, je n'ai pas pris de tenue solennelle. Je me suis dit, puisque je suis censé représenter la contribution citoyenne, je me suis dit que le héros citoyen, c'est celui qui va offrir de son temps. Voilà, donc c'est le petit clin d'œil de la bonne volonté géolocalisée. Et en fait, il y a une petite traduction quand même dans le texte en dessous, c'est « Save the world, map it ». Voilà, vous êtes en capacité, dans une période de crise, d'être, on va dire, un acteur pour... est-ce que tu veux être mon accompagnateur bienveillant? Ça serait un grand honneur. Magnifique, merci. Voilà, comme ça, je pourrais être à côté de la présentation. Alors, je vais essayer de la faire cadencer pour ne pas traîner, mais l'analogie sera sur les insectes. Voilà, les abeilles et les fourmis, parce que c'est en fait une transposition du monde social. À chaque fois que tu auras une inflexion, je te laisse galoper. Voilà, donc ces insectes, effectivement, ont plein de propriétés d'exploration des territoires. Pour les géomaticiens, lorsqu'on parle de la donnée géographique, donc vous avez compris, la présentation est toujours duale, on parle en général de points, de lignes, de polygones. Sur OpenSheet Map, non, on parle de nœuds, de chemins, un polygone étant un chemin fermé. Et après, on parle de relations. Vous voyez, c'est en fait tout simplement une association plus abstraite, c'est-à-dire on associe plein d'objets pour permettre d'associer des choses qui sont de réalités différentes. C'est une base de données unique, dont la propriété d'être sémantique et non homogène. Alors ça, c'est important parce que vous allez voir que du point de vue de l'innovation et de l'émergence, ça va être un peu... on va y aller. Alors, c'est un abécédaire, donc je vais poursuivre sur chacune des lettres. L'insecte butine, eh bien, le contributeur de toute génération est un explorateur qui va également se déployer sur sa passion. Donc là, vous êtes à Digne-les-Bains avec un jeune. Pour ceux qui n'ont pas entendu parler de cette expression, j'aime bien parler du questionnement de Quintilien. Ça, en général, on l'apprend, c'est tout. Qui, quand, quoi, comment, combien, pourquoi, etc. Voilà. Eh bien, dans OpenSheet Map, c'est ce qu'on essaie de faire. On prend une réalité qui se présente à nous et on essaye d'y répondre humblement. On va dénombrer, on va décrire, on va faire une géométrie. Au début, on commence par simplement un petit objet ponctuel et après, au fur et à mesure, on va l'étouffer. La difficulté, c'est qu'à un moment, on se dit, mais est-ce que je m'y prends bien? Alors, dans l'écosystème OpenSheet Map, vous avez des représentations, des outils de visualisation qui encouragent la qualité et qui essayent de traduire les choses. Alors, on a parlé du rapport du GIEC. Ce que je vais essayer de faire, c'est de ne pas rester que sur l'environnement, mais sur les notions du risque dans toute leur diversité. Et notamment, dans l'incidence environnementale, il y a la question de la pollution lumineuse. Donc là, c'est un partenaire complice sur cet outil qui s'appelle OSM Data, donc Mathieu Rajuri, qui travaille au CEREMA, qui a poussé une feuille de style via QGIS sur cet outil en ligne qui s'appelle OSM Data. Alors les abeilles, vous savez, elles ont une capacité à transmettre des informations qui est assez incroyable. Elles font une espèce de danse avec une inclinaison et tout. Et elle dit ici, il y a un petit champ à butiner. Le contributeur, il peut aussi se servir des réseaux. Là, j'ai pris un exemple simple. Vous avez eu, il y a un an, l'explosion à Beyrouth. Ça a été un cauchemar. La force des contributeurs, c'est qu'ils peuvent dédier du temps de bonne volonté. Il y a eu du coup le déclenchement d'une opération de cartographie à distance. Donc ce sont des milliers de volontaires qui vont dans une opération qui s'appelle HOT,
HOT, Humanitarian OpenStreetMap Team, l'équipe humanitaire d'OpenStreetMap. On bénéficie de photos satellitaires des grands opérateurs mondiaux et on essaye tout de suite de voir le bâtiment camp, etc., qui permet de planifier des opérations sur le terrain. Alors, pourquoi cette cartographie serait-elle bénéfique, puisque en général les experts ont souvent beaucoup d'informations très précises? Eh bien, tout simplement parce qu'on a besoin de complexifier. Pour intervenir sur le terrain, il faut qu'on confronte les informations les unes avec les autres. En général, un géomaticien, il va raisonner par couche. Il prend la couche hydrographie, la couche route, etc. Et à un moment, on se dit, oui, mais est-ce que c'est cohérent? Où sont les frontières? Comment ça interagit? Les zones perméables, imperméables? Là, dans OpenStreetMap, donc là, je voulais montrer les galeries des fourmis qui explorent, eh bien, on a des outils qui permettent, par exemple, de dire, voilà, on a le réseau hydrographique de l'IGN, en dessous, on a les données OSM. Est-ce que les contributeurs ont bien vérifié? Vous savez que, par exemple, dans ce qu'on appelle la GMAPI, les collectivités ont, par exemple, pour les intercos, la compétence GMAPI, donc sur l'inondation. Sauf que ceux qui vont cartographier, c'est ceux sur lesquels ils ont la main. Et par contre, ils ne cartographieront pas les fossés, etc. Donc il y aura toujours une partie qui ne sera pas vue. Le contributeur, lui, va se dire, mais je m'en fiche, moi, domaine public, privé ou je ne sais quoi. Je vais faire tout ce que je peux avec ma bonne volonté. Alors, de même que, on va dire, on va décrire le réel, il y a aussi les explorateurs du vivant. Les premiers étaient ces jardins monastiques, vous savez, où il y a eu des inventaires, des herbes médicinales, etc., pour effectivement aller plus loin. Aujourd'hui, le défi du réel se pose aussi dans le quotidien. On a des personnes qui ont des tracasseries du quotidien. Certains qui sont malvoyants, d'autres âgés qui ont besoin du coup de s'asseoir. Avec la chaleur qui s'amplifie, on a besoin éventuellement d'avoir un peu d'ombre parce que ça peut taper, ça peut nous mettre en difficulté. Et bien sûr, les accès, fauteuils roulants, etc. Donc on va commencer à documenter et aider à dire, voilà, tu peux renseigner cela parce que ça fait remonter des informations sur les insuffisances de la politique publique. Vous voyez, donc le risque peut aussi être quotidien, au point que, par exemple, on peut identifier des traversées qui ont un manque de visibilité, qui sont à l'origine d'accidents, et croiser des informations, vous voyez, avec l'accidentologie, etc., et de pouvoir localiser au plus près du réel. Sur l'environnement, donc, de même qu'on a un écosystème environnement, dans OpenStreetMap, on fonctionne sur une sorte de cercle vertueux, c'est-à-dire, on collecte sur le terrain, vous voyez, il y a une planche qui est en papier, on valorise, donc on a une cartographie avec une quantité de rendu assez conséquent, on édite avec l'application Nomade, donc sur les téléphones, vous avez plein d'applications gratuites, on revalorise avec des cartographies dynamiques qui valorisent les thématiques sur lesquelles on a voulu éditer, ainsi de suite, donc c'est ce qu'on appelle le principe d'itération. On revient toujours, on ne cherche pas la perfection parce qu'on sait qu'il y a quelqu'un qui repasse derrière nous. L'exploration se fait dans les échanges d'informations. Alors, les fourmis, elles échangent des phéromones, donc des molécules complexes, etc., elles laissent des traces. Eh bien, la question du privé, du public, est-ce que moi, par exemple, si j'explore un territoire, je consens à partager ma trace? Alors, en général, par exemple, si les utilisateurs de Waze vont consentir à partager leur information parce que ça permet d'alerter les utilisateurs sur des embouteillages. Dans OpenStreetMap, on va simplement mettre en partage nos traces parce qu'elles nous permettront d'affiner la création de ronds-points, éventuellement des nouveautés qui peuvent exister. Et on affine, et ça permet de détecter les choses. Alors, effectivement, avant d'arriver au miel, on a besoin effectivement de suffisamment de volume, une contribution, mais il y a aussi le plaisir de la rencontre. Donc, effectivement, ce sont des communautés avec des centres d'intérêt, des valeurs, etc. Et c'est ce qui fait qu'on ne se sent pas seul, donc avec des forums, avec des échanges de divers types. Autre illustration, alors, du côté de ma mère est argentine, alors je me suis dit je vais essayer de faire un petit clin d'œil comme ça sur aussi une histoire qui personnalise. Cet été, 4450 hectares qui ont pris feu. Alors, un contributeur argentin a créé une séquence de fractionnement du territoire qui a permis, en fait, vous voyez, de mobiliser,
on va dire, les contributeurs sur des petites parcelles, en quelque sorte, de façon à dire, voilà, moi, je bloque cette partie, je vais cartographier, je t'invite, toi, si tu veux bien, à alimenter, et ils peuvent chacun écrire, se coordonner dans leurs observations, de façon à permettre d'avoir une cartographie encore plus fine, encore plus juste, parce qu'il y a nécessité, à ce moment-là, d'agir. On verra que, pour le suivant, ça fait partie d'une forme de militantisme qui n'est plus basée sur l'argent mais sur le temps. Lorsqu'on est étudiant, on n'a pas forcément toujours de quoi abonder financièrement. Par contre, on veut bien se réunir ensemble, comme des agriculteurs au moment où il y a des sécheresses, on va mettre en commun les ballots de paille, etc. Et bien là, on va créer ce qu'on appelle des mapatons, donc des cartographies humanitaires pour saturer un espace dans la démarche de bonne volonté. Alors l'exemple concret, c'est par exemple, alors là on est au Népal en 2015, vous avez des successions d'étapes, donc ça c'est la ligne bleue, donc vous voyez toutes les traces, c'était avant le tremblement de terre, deux jours après vous avez la saturation en jaune, après, donc vert, jaune, après on est sur 15 jours, ça fait quand même 4000 contributeurs qui font des dizaines de milliers de kilomètres de route, vous voyez, sur ce secteur. Alors, il est clair que le défi est incroyable, les thématiques sont multiples, donc il faut qu'on puisse utiliser les technologies avec tout leur potentiel. Là où ça devient intéressant, c'est justement cette espèce de porosité et l'appétence des gros acteurs aujourd'hui d'Internet, et notamment alors le grand entrant, il y avait un petit poussé, il s'appelait Mapillary, donc c'est un système équivalent à Studio, mais où on peut chacun avec son téléphone collecter l'information, et qui faisait ce qu'on voit ici, c'est-à-dire c'est un système de segmentation, donc du machine learning, on reconnaît des objets et on peut détecter les familles. Alors là, on est tout simplement à domicile, on est ici, c'est au pôle de Arbois, et j'ai fait une requête en disant, voilà, tu vas me chercher les poteaux incendies, et toutes les petites taches blanches, ce sont autant de poteaux incendies qui ont été détectés sur l'image. Pourquoi je raconte ça? Ben, c'est qu'en fait, vous avez un outil de remontée d'informations, on est sur un secteur boisé, donc nécessairement on se dit est-ce que la couverture en hydrant est suffisante, on peut le faire partout et donc créer une sorte de on va dire de remontée de couches voilà, qui soit bénéfique. Mapillary a été racheté par Facebook et de fait Facebook a décidé d'ouvrir tout ce qui était auparavant payant, donc les collectivités peuvent récupérer les données des jeux de données territoriaux grâce à cette détection automatique. Le service étant gratuit. Nous fêtons, si on peut le dire comme ça, nous commémorons les 20 ans de l'explosion d'AZF. Pourquoi je montre ça? Tout simplement parce qu'on atteint un tel niveau de finesse qu'aujourd'hui, même les journaux utilisent OpenStreetMap. Parce que c'est très fin, c'est-à-dire qu'ici dans la cartographie, on ne le voit pas trop, mais c'est marqué site du lieu de l'explosion, ça a été cartographié, etc. Et on peut cliquer avant, après, et voir l'histoire du site. Toujours dans la catégorie des risques, certains, malheureusement, peuvent avoir des tracasseries permanentes. Je pense aux malvoyants, par exemple. Avec OpenStreetMap, on est capable maintenant d'offrir des services qui sont, alors il y a par exemple sur les applications GPS, des assistants à la mobilité, notamment il y a une société suisse qui fait cela grâce aux données OpenStreetMap, donc de vocalisation, etc. Et il y a des chercheurs, des universités qui font des maquettes 3D en braille en mobilisant les données. Donc on peut vraiment aller très loin et c'est l'avantage de la donnée citoyenne, c'est que dès lors que des associations ont envie d'offrir ce type de service en connaissant peut-être la position respective de ces personnes, d'affiner les secteurs en conséquence. Alors, des rendus dans OpenStreetMap, il y en a des centaines, mais ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, on n'est pas dans de la technodépendance. Quand on va parler de Google, de Waze, il faut avoir une connexion Internet. OpenStreetMap part de l'autre côté, c'est de dire, on va d'abord partir sur la solution la plus frugale qui existe, du papier. Et par contre, la technologie permet de connecter les impressions en conséquence pour qu'on puisse après recaler s'il y a eu un travail de cartographie à la main pour récupérer les informations. Alors, bon, là, c'était un petit clin d'œil pour dire qu'effectivement, la vision de nos chers animaux explorateurs
eh bien, aujourd'hui, on a besoin aussi de pouvoir se dire, si je passe quelque part, que je puisse en faire bénéficier, comme les abeilles vont informer les autres abeilles, ce que j'ai fait. Et j'ai pris, du coup, une photo de la Croix-Rouge internationale qui, à chaque fois qu'elle lance une mission, fait de la collecte photographique qu'elle verse sur ma pèlerie, de façon à pouvoir attester, en quelque sorte, tout ce qu'ils ont pu explorer, de façon à ce que les personnes puissent faire de la cartographie en chambre sans mobiliser à chaque fois une équipe sur le terrain. Et derrière, c'est ce à quoi je faisais allusion avant, c'est du machine learning, donc reconstruction 3D de l'environnement, etc. Alors bon, là, petit clin d'œil sur les fourmis pot de miel. Je ne savais pas que ça existait, c'est absolument incroyable. Et donc, il y a des contributeurs pot de miel aussi, en fait. Ils sont gentils, ils ont envie de partager leur passion. Alors, ce sont des gilets jaunes, parce que bon, à l'époque, on ne savait pas que le gilet jaune était polysémantique. Mais c'est simplement, voilà, on essaye de nous impliquer aussi dans les foires, etc. Alors, pour ce qui est de la protection, on parle du risque effectivement de l'environnement, mais il y a aussi le risque de la donnée elle-même, puisque la contribution est ouverte à tout le monde, il n'y a pas de modération, c'est le principe de l'intelligence collective. Donc comment on fait face aux anomalies, aux contributions, on va dire, pas toujours appropriées, etc. On a un certain nombre d'outils qui sont des outils qualité et des outils de détection d'anomalies. Celui-ci, par exemple, c'est Osmose. Et donc, au fur et à mesure, il y a des personnes qui ont comme plaisir de dégommer voilà, des tâches, des remontées, etc., pour que la donnée soit de plus en plus fiable. Et il y a des collectivités ou des acteurs publics qui disent, bah, tiens, moi, j'aimerais mettre dans les remontées des confrontations avec les données que nous avons de façon à améliorer les choses. Voilà, donc je parlais du miel effectivement sur la récolte. Ici, vous avez une illustration sur une cartopartie. Donc, ce sont des manifestations cette fois-ci qui ont un petit côté un peu plus lisible, qui fait que les contributeurs, les étudiants, après ça dépend, hein, on ouvre à qui on veut. Là, c'était à Versailles, avec dans le cadre de manifestation d'Esri, et c'était une cartopartie autour de l'accessibilité. Donc, on a fait 5 groupes qui ont traversé des secteurs différents pour cartographier à la fois les commerces, l'accessibilité, etc. Dans la simplification, alors effectivement sur l'idée de la pollinisation, on a cette simplification de la contribution. Donc là par exemple c'est un outil qui a été développé par Adrien Pavy, un contributeur français, jeune étudiant, maintenant professionnel, et c'est la contribution au clic. C'est-à-dire on voit la photo, on dit tiens ici je vois ça, qu'est-ce que je vois? Je vois bien qu'il y a un poteau incendie, donc je valide, je vois l'objet et je n'ai rien eu à faire. C'est simplement grâce à la détection que je peux accélérer la contribution. Donc, je n'ai pas besoin d'être expert. Alors, dans la spécialisation, les abeilles, elles ont, au fil de l'âge, la capacité à faire, effectivement, de diverses responsabilités de collecte, etc. Alors, j'ai voulu juste simplement ici apporter une notion que j'aime bien mettre en avant, donc le TIC, pour, en général, dans le monde de l'activité professionnelle, on est souvent chargé de missions thématiques et tout, j'appelle ça le travail intellectuel confiné. Voilà. On est expert, on est seul, et il y a des moments où la solitude pèse. Et on passe au TAC, c'est un petit jeu de mots, donc travail appliqué collaboratif, c'est-à-dire en fait, on accepte de ne plus être propriétaire, il n'y a pas de relation d'autorité, il y a l'expert, etc. C'est simplement une convergence dans une logique de tiers-lieu de confiance. La résultante, c'est que, effectivement, les données OpenStreetMap sont de plus en plus valorisées dans des dépôts, aussi bien data.gouv, OpenPACA, DataSud, etc. Voilà, donc tous ces environnements qui vont aller chercher de la donnée donc, qui a fait l'objet de mission et qui permettent après aux collectivités de récupérer certaines ou telles thématiques. Alors, je parlais d'un système sémantique. Donc, OpenStreetMap est basé sur un système donc, avec des mots-clés, des clés et des valeurs, en anglais, puisque c'est international. On est vraiment dans la même logique que Wikipédia. C'est-à-dire, Wikipédia documente, OpenStreetMap a un wiki qui également documente tous les projets qui sont mis en place. Un petit clin d'œil pour le Luxembourg, qui ont leur système de gestion des urgences, et on reconnaît donc la cartographie OpenStreetMap. Et il y en a énormément, là je viens de découvrir en allant sur un stand, qu'il y avait un système de gestion des risques qui est également basé sur OSM.
je parlais des valeurs, donc OpenStreetMap a une licence qui s'appelle ODBL, Open Database License. C'est, on va dire, l'agriculture biologique de la data, c'est-à-dire elle est élevée en plein air, vous voyez. Nous sommes bientôt 8 millions de, on va dire, de contributeurs. Et vous avez en photo ici la rencontre internationale qui avait eu lieu au siège des Nations Unies à New York. Voilà, c'était le petit clin d'œil pour vous dire qu'en fait, on a une visibilité et soutenue par la Banque mondiale, puisque aujourd'hui, notre capacité d'action est bénéfique et reconnue. Merci. Merci Jean-Louis. Adieu. Il y a plus de réactions quand il y a des slides quand même. Ah oui, oui. Merci, ben, merci au technicien. Abécédaire. Moi, je suis un grand fan de ton abécédaire. Est-ce qu'on a quelques questions? Moi, une première. Ah, il y en a une. On va poser la mienne. Damien, s'il est toujours par là, avec un micro. Merci, Damien. Ça arrive juste derrière vous. Est-ce que vous pouvez enlever juste votre masque, comme ça on vous comprend bien, je pose question. Oui, donc merci, parce qu'on est tous férus de technologie, et puis de voir quelque chose de collaboratif comme ça en plus. Mais du coup, en tant que citoyen et aussi amateur de données, on se demande comment on peut participer sans devoir aller se former à New York à un congrès OpenStreetMap, si on avait une action qui pourrait alimenter cette base de données. Sans être pour l'instant utilisateur, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Une action hyper simple. Tu peux recruter là. Pardon? Tu peux faire du recrutement. Alors, en fait, OpenStreetMap a plein de petites occasions par lesquelles on peut être contributeur. La plus simple étant lorsque vous allez sur osm.org ou openstreetmap.org, vous êtes sur l'interface. Et pour celui qui n'a pas forcément envie de contribuer, mais simplement de dire il y a une anomalie ici, il y a une option qui s'appelle ajouter une note. Et ça, c'est vraiment l'entrée la plus basique. C'est un peu comme un post-it que vous mettez sur la carte. Donc, je pense bien sûr à nos chers acteurs de terrain. Vous voyez des anomalies, vous avez une mine d'or pour dire, tiens, ici, il y a une route, elle n'est pas bonne, etc. Nous, on en a des quantités. Moi, je m'en sers énormément pour, effectivement, après, refaire du terrain, essayer d'affiner les choses. Voilà, ça, c'est la première chose. Le compte est gratuit. Après, il y a plein de tutoriels. Donc, ça, c'est assez incroyable. Et alors, à titre d'information, il y a une fondation américaine qui a levé 500 000 dollars pour créer un outil grand public. Donc, en fait, c'est hyper intuitif. Ça s'appelle ID Editor, qui a justement cet objectif. Et alors, il y a des champions de la contribution qui sont des jeunes lycéens qui abattent un travail époustouflant. Donc, je pense que vous n'avez même pas besoin d'avoir de formation spécifique. C'est suivi pas à pas. Du coup, je n'ai pas compris, moi, par exemple, pourquoi j'irais sur cette application dans mon quotidien pour tout simplement. Pardon. Alors, en fait, voilà, je vais vous donner l'argument ultime. Le OpenStreetMap, c'est la base de données mondiale qui est dans le domaine du big data ouverte. Toutes les autres bases de données que vous ayez sont des bases de données partielles, thématiques et non permanentes. C'est-à-dire qu'en général, une base de données, elle est stockée et elle est versionnée. OpenStreetMap, c'est une base de données temps réel. C'est-à-dire, si je fais une modification maintenant, elle est en ligne. En général, il y a un petit différentiel de quelques minutes, mais elle est en ligne pour quelqu'un qui est connecté. Si je prends ma famille en Argentine du côté de ma mère, ils auront la même chose que moi, vous voyez. Deuxième chose, les GPS, vélos, voitures, camions, etc., dès lors que c'est marqué mise à jour gratuite, c'est parce qu'ils vont taper dans OpenStreetMap. Troisième chose, dans les risques, les gendarmes, beaucoup de pompiers, etc., utilisent OpenStreetMap pour leur carto. Vous prenez le TGV, vous avez le OpenStreetMap. Pourquoi? Parce qu'on devient de plus en plus fin dans ce qui est fait. Donc après, il faut simplement l'explorer, essayer de le découvrir. Et ensuite, c'est quand même un vrai trésor pour les collectivités en termes de marketing territorial, etc. Ce sont des millions d'heures, en fait. Hein. Merci, Jean-Louis. Tu restes encore avec nous pour le déjeuner? Donc, s'il y a encore des questions, vous pourrez croiser... Elle est courte? Allez.
Si on peut faire descendre un micro juste là. Je vais poser une question iconoclaste, hein, parce qu'on voit par exemple beaucoup de gens qui utilisent les sentinelles pour les visualiser, ils font des fonds d'écran géographique pour que ce soit plus clair. Et il y a des gens qui prennent du Google Maps, il y a des gens qui prennent du Google Maps. Qu'est-ce que vous feriez pour défendre le point de vue de prendre plutôt OpenStreetMap que Google Maps, parce que Google Maps, c'est pas ouvert, mais c'est gratuit aussi. Alors, il est vrai que Google Maps a une puissance en termes d'usage et en termes de couverture qui est absolument remarquable. OpenStreetMap, du point de vue de sa différence, c'est qu'il propose une variété de déclinaisons qui permettent de gagner en pertinence. Je vais vous donner un exemple concret. Une fois, j'étais avec une personne, elle avait 80% de perte de vision. Et il me disait, ben, moi, j'ai un guidage visuel, disons, auditif, etc. Et je lui dis, ben, tiens, c'est amusant, on va faire un test. Je vais te montrer ce rendu. Et c'était un rendu qui s'appelle Stamen Toner. C'était très contrasté. Donc, les routes, en fait, au lieu d'avoir des traits sur le côté, c'était noir. C'était comme si c'était rempli d'un trait noir. Le texte était par-dessus. Et il m'a dit, mais c'est génial. J'aurais aimé qu'on me le fasse découvrir, parce qu'enfin, je peux lire une carte, je peux comprendre avec le peu qu'il voyait. Et c'est ça qui est fascinant, c'est que comme l'écosystème est partagé, une personne peut se dire, tiens, moi j'ai une idée, je vais le reprendre, je le bouture, je l'améliore, etc. Dans Google Maps, en général, quand vous regardez bien, vous avez des informations clés, mais si vous voulez modifier, non seulement la marche est haute, mais mettons que vous ayez envie de télécharger la donnée, de faire une requête experte. Ben non. Vous voyez ? Alors que dans OpenStreetMap, la base est téléchargeable et après, vous pouvez simplement le mettre sur votre téléphone en mode déconnecté et vous faites votre exploration à loisir. Merci Jean-Louis. C'est un passionné et il a cette capacité à transmettre sa passion. C'est juste magnifique. Juste pour agrandir, on a d'autres représentants dans la salle qui n'ont pas pitché, mais ils seront présents avec nous. Des radios amateurs. J'en vois un, vous pouvez le voir, il a un t-shirt bleu ciel, si vous voulez, ce côté-là aussi pour l'expertise citoyenne. Je vois aussi des gens des médias sociaux de Visov, donc voilà, ils sont parmi nous. Si le sujet vous intéresse, vous pourrez creuser pendant la pause déjeuner. Et je laisse la main à ma fidèle compagne Anna. Donc on va terminer cette conférence avec Marc Rigolo, qui est directeur de la Fondation Maïf. Marc, je vais vous laisser nous présenter d'abord rapidement la Fondation, les types de projets qu'elle finance, et nous dire surtout, avec le retour d'expérience que vous avez sur tous ces projets financés, qu'est-ce qui manque encore aujourd'hui, au-delà des technologies, au-delà de la connaissance, pour être encore meilleur sur cette gestion des risques climatiques extrêmes. Ok, bonjour à tous. Alors je suis désolé, moi je vais sortir un peu du monde animal et de la cartographie, et puis je vais aborder un monde un peu aride qui est celui de la couverture des risques. Donc d'abord en un mot, qu'est-ce que c'est que la Fondation Maïf, hein? Alors c'est une fondation reconnue d'utilité publique, donc qui travaille dans le cadre de l'intérêt général, hein, on n'est pas une fondation d'entreprise, hein, et on a une mission statutaire sur le champ de la prévention des risques, de la connaissance des risques et des actions qu'on peut mettre en place pour les limiter. C'est une structure qui a à peu près 30 ans et qui intervient dans différents domaines, la mobilité, la vie quotidienne et les loisirs, le risque numérique et le risque naturel. Et on essaie d'avoir ou de soutenir des projets qui ont un impact social assez direct, autrement dit, pas seulement de la recherche académique, mais de la recherche qui apporte quelque chose à la société. Et on est plutôt, alors par rapport à ce qu'on a vu ce matin, on est beaucoup dans l'accompagnement de la crise. On essaie d'être un peu en amont dans la mesure du possible, hein, donc plutôt prévenir que réparer, comme j'ai dit, avec des choses très utiles, très appliquées, avec des apports à la société. Et ce que je voulais dire par rapport à la question, c'est que, pour aller très vite, parce que je sais que vous avez peut-être faim, on travaille sur différents sujets, avec des acteurs qui sont probablement présents dans la salle. Par exemple, on travaille sur l'amélioration de la perception des solutions fondées sur la nature, avec l'INRAE. On travaille sur les sciences comportementales en cas d'inondation avec un consortium et je pense qu'il y a des gens dans la région qui travaillent avec nous là-dessus. On a travaillé, puisqu'on parlait de sciences citoyennes, sur l'analyse via l'analyse par de l'intelligence artificielle des contenus qu'il y a sur les réseaux sociaux pour essayer d'identifier et de qualifier certains risques, donc inondations, séismes. On a fait ça avec le BRGM, donc sous forme de prototype. Hein. On travaille aussi sur la question avec l'INRAE des choix de résidence. En gros, pourquoi vous allez vous mettre à un moment,
pour quelles raisons vous allez mettre dans une zone très à risque, parfois pour construire d'ailleurs, même si c'est a priori pas recommandé, et quels sont les mécanismes qui vont vous conduire à faire ça. Donc voilà, on travaille sur ces questions-là, qui sont plus des choses qui touchent au comportemental, et puis très très vite, on travaille aussi sur des sujets autour de modèles qui permettent finalement d'estimer ce que va coûter l'accident, là en l'occurrence c'est sur des séismes, et dans lesquels on va pouvoir implémenter des modèles économiques, autrement dit quels sont les coûts indirects et indirects par exemple d'un séisme sur Aix, je pense pas qu'il y en ait des gros, mais quels seraient les coûts directs et indirects, et on peut le mesurer en fonction du niveau de sur l'échelle de Richter qu'on veut mettre, et puis après quels seraient les coûts de renforcement d'un certain nombre de structures ou de bâtis, coûts préventifs, et si on fait repasser le même séisme après avoir fait ces renforcements, quels seraient les coûts directs et indirects du même séisme. Et donc ça peut permettre d'aider à la décision des élus qui parfois, sur des perspectives de récurrence faible, ne sont pas très enclins à rentrer dans des logiques de prévention. Et puis on a aussi travaillé avec le CSEM par exemple sur des logiques de sciences citoyennes, hein, comme OpenStreetMap, avec une application qui s'appelle LastQuake et qui permet finalement d'être informé d'un séisme et finalement d'informer l'ensemble de la communauté des séismes uniquement par le fait d'allumer l'application. Donc ça, je pourrais vous expliquer un peu comment ça marche, tout ça avec de l'intelligence artificielle. C'est-à-dire qu'on a des niveaux de performance et d'information qui sont parfois supérieurs en termes d'efficacité et de temps à des systèmes centralisés et administrés. Voilà, et puis on a travaillé, puisqu'on a beaucoup parlé d'inondations, sur les problématiques de zones basses et de modélisation de ce qui se passerait en cas de submersion marine. Là, on est sur les côtes atlantiques. Je pourrais y revenir. Voilà, en gros, ce qu'on fait. Et le constat, pour revenir sur ce que me demandait Anna, c'est que nous, on voit qu'il y a beaucoup de travaux sur la connaissance des aléas. On va affiner la connaissance des aléas, la précision, etc., de ce qui va tomber, quand, où, etc. On va beaucoup travailler sur les choses techniques ou technologiques, mais finalement, le vrai problème qu'on a aujourd'hui, et on le voit nous dans plein de travaux, c'est le comportement des gens. Et quand je dis des gens, c'est les citoyens au plus bas niveau, mais on peut remonter l'échelle jusqu'à très haut niveau. C'est-à-dire, c'est des comportements qui ne sont pas forcément en adéquation avec ce qu'il faudrait faire, alors qu'on sait ce qu'il faudrait faire, mais on a cette difficulté. Et pour nous, avec des comportements que vous connaissez, hein, construire en zone basse, il y a des contournements subtils de règles de prudence ou de réglementation d'ailleurs, on pourrait y revenir, malgré des choses très très rigides, on voit aujourd'hui que moi près de chez moi, il y a des zones basses, les gens construisent dans le lit de la rivière, je suis effaré de voir ça, mais bon, il y a eu des autorisations de données, parce qu'il y a une forte pression des citoyens sur les élus, il y a une forte pression des élus sur les... etc. et on remonte la chaîne. Donc, il y a un abandon de la responsabilité individuelle et collective sur ces questions. Voilà, hein, une espèce de logique qui consiste à dire ça n'arrivera pas, ou de toute façon, si ça arrive, ça sera pris en charge. Voilà, et donc... je ne m'intéresse pas au sujet. Et donc, ça pose le problème de la résilience, si on creuse un peu. Et du coup, quelle est la vision des assureurs par rapport à tout ça? Je voudrais juste... je vais répondre à la question. Je voudrais juste dire, mais je crois que Johnny Devigné a travaillé sur cette mission, hein, qui a été commanditée par Barbara Pompili, qui dit, en gros, que le vrai sujet, c'est ça, aujourd'hui. C'est la vulgarisation des connaissances et c'est sur la compréhension de ces mécanismes par les populations, à tous les niveaux. Et donc, avec un certain nombre d'orientations autour d'outils pour... faire comprendre, faire connaître, parler d'un certain nombre de sujets pour des populations lambda dans des zones lambda. En tout cas, je crois qu'il y a un niveau de maturité qui est fort ici sur la région, puisque tout ce que j'ai entendu, mais je peux vous garantir que dans d'autres régions, les gens qui sont en zone basse, ils le savent absolument pas. Hein, ça leur passe au-dessus de la tête et ça reste compliqué. Alors qu'il y a un certain nombre de choses qui existent, des papilles, etc., qui permettraient de le faire. Et donc, le point de vue des assureurs là-dessus, quelques éléments chiffrés. Quand on regarde... ça c'est une étude CCR sur en gros les coûts des catastrophes naturelles aujourd'hui en France. On se rend compte, alors je passe sur la partie les grosses colonnes là qui correspondent à des gros événements, mais on se rend compte que finalement sur la durée les coûts ne sont pas en train d'exploser, mais quand même quand on regarde de près, alors ils sont pas en train d'exploser, ça veut pas dire qu'il n'y a pas plus de catastrophes, ça veut dire comme ça a été dit tout à l'heure, on fait mieux qu'avant, hein, on s'organise mieux, on protège mieux, etc., on a fait des progrès. Mais sur la dernière période, notamment 2016 à 2020, on voit quand même qu'il y a une croissance assez forte de ces coûts qui n'est pas négligeable.
Alors, ça vous le savez, je passe très vite, hein. Il y a quand même beaucoup de gens, par exemple, qui sont sujets à la question de l'inondation en France. Sur ces 17 millions, je serais curieux de savoir ceux qui savent qu'ils sont dans des zones à risque. Je pense qu'il n'y en a pas tant que ça. Et ça pose un problème. Alors, un mot sur le réchauffement climatique. Il y a un expert tout à l'heure qui a parlé très bien de ce sujet-là. Et sur les analyses qui ont été faites, sur le scénario 85, qui est le scénario finalement, le scénario tendanciel, hein, vous le voyez sur la courbe en haut à droite, c'est le scénario qui dit, on va pas changer, malgré tout ce qu'on dit, finalement ça va pas changer grand chose et la courbe va continuer un peu comme elle continue aujourd'hui. Et finalement, depuis des dizaines d'années que ce sujet est sur la table, on se rend compte que la courbe elle est toujours un peu droite. Hein, n'y a pas d'infléchissement majeur malgré tout ce qu'on fait. Il y a toujours de la consommation, etc., etc. Et sur la base de cette courbe, c'est une analyse CCR Météo France de 2018, on se rend compte que il va y avoir une augmentation des coûts liés aux catastrophes naturelles d'environ 35% à échelle de 2050. 35% qui se répartissent avec un coût de sécheresse, un coût d'inondation, puis d'un coût de submersion marine, ça a été évoqué tout à l'heure, hein, une forte hausse sur les submersions marines. Et c'est ça qui est intéressant, ces coûts augmentent aussi de 15% en lien au déploiement des enjeux. Autrement dit, là où on construit, là où on est en train encore de faire des choses aujourd'hui. C'est-à-dire que malgré tout ce qu'on sait, on augmente les zones à risque, on va construire sur les côtes, on va densifier les villes, etc. etc. Et donc ces coûts, ça c'est une analyse qui date de 2018. Avec, ça c'est aussi intéressant de le regarder, des répartitions sur le territoire qui sont finalement assez différentes. Vous avez des zones qui se désertifient en bleu, et puis vous avez des zones, notamment les grosses villes, ou les côtes, qui se densifient avec des risques qui sont supérieurs. D'ailleurs, bon, voilà, donc ça c'est des choses qui sont publiques, tout ça, hein, j'invente rien. Alors par rapport à tout ça, la question qui se pose aujourd'hui et qui se posera demain pour le monde de l'assurance, c'est sa capacité à financer tout ça. Aujourd'hui, on est dans ces systèmes de très grande mutualisation et très grande solidarité en France, un système un peu exceptionnel qu'il n'y a pas partout dans le monde, hein, et qui fait qu'aujourd'hui, bah, vous pouvez construire votre maison au bord de la plage et compter sur la solidarité des régimes qui en France et notamment du rôle des assureurs pour finalement couvrir votre maison quand il y aura une submersion marine. Alors, si c'est une fois tous les 15 ans, ça va marcher. Si c'est tous les 2 ans, ça va commencer à poser un problème majeur. Ce problème, il est lié au fait que, là, je vous ai fait un petit schéma, hein, c'est basique, hein, mais c'était pour essayer d'être plus clair. La maison verte en haut, elle s'est pas mise au bord de la rivière, elle est dans une zone qui n'est pas trop à risque, et la maison en bas, on a choisi les aménités. On veut être au bord de la plage, on veut profiter des loisirs. Voilà. Il y a une maison, on sait déjà aujourd'hui qu'elle coûte, ce que j'ai mis en bleu foncé, elle a une valeur de couverture. C'est-à-dire que l'assureur, en fonction du positionnement, avec du mapping et de l'intelligence artificielle, est capable aujourd'hui de dire, cette maison, on connaît son coût réel, son coût d'assurance. C'est-à-dire le risque, la fréquence et le coût. Cette maison, elle a un coût qui est en bleu. La maison en haut à gauche, là, elle a un coût en bleu qui est modéré. Celle qui est à droite, là, elle a un coût bleu qui est 2 fois plus élevé. La même maison, hein. Nous, aujourd'hui, dans les systèmes de mutualisation et de solidarité nationale, tous les assureurs, hein, eh ben, on va faire des tarifs qui sont finalement assez proches, le bleu clair. Donc on va faire payer un peu plus cher à celui-là que son vrai risque et moins cher à celui-là que son vrai risque. Demain, si on augmente les risques de catastrophes naturelles, et donc la fréquence et les intensités, puisque c'est ça qui va arriver, vous allez être sur des écarts de coûts, de risques, ce que j'ai mis en beige ou en orange, qui sont très importants. Et si on est dans la logique actuelle, vous allez vous retrouver avec des coûts d'assurance qui vont augmenter des deux côtés. La vraie question qu'on a aujourd'hui, c'est quelle sera l'acceptabilité à long terme de tous les gens qui sont à gauche, qui finalement vont financer tous les gens qui sont à droite. Alors pour l'instant, dans notre modèle, c'est assez simple, c'est assez facile, puisque tout ça n'est pas apparent, n'est pas transparent. Donc ça fonctionne. Si demain, des acteurs assureurs rentrent sur le marché français avec une logique de segmentation, des acteurs, on va dire, qui viennent d'outre-Atlantique, pour prendre un exemple, donc des logiques très capitalistes. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont dire, moi, je vais assurer tous ces gens-là au tarif orange, et j'assurerai jamais cela. Ça ne m'intéresse pas, cela.
C'est ce qu'on appelle, nous, de l'antisélection ou de la segmentation qui provoque de l'antisélection. Qu'est-ce qui se passe? Tous les assureurs mutualistes qui, aujourd'hui, comme nous, jouent le jeu de la solidarité vont se retrouver uniquement à payer cela, là. Et donc, soit ils disparaissent parce qu'ils sont plus compétitifs, ils meurent, soit ils appliquent des tarifs qui vont, à un moment ou à un autre, devenir prohibitifs. Et donc, on aura des zones, potentiellement, qui ne sont plus assurables. Donc, vous ne trouverez plus de gens pour vous assurer sur ces zones-là. Donc, ça, c'est un risque qui est important s'il n'y a pas une prise en compte rapide et une prise de conscience rapide de tous les acteurs. Et là, je parle du citoyen qui s'installe à un endroit où il ne devrait pas s'installer, considérant que bah, y a une couverture collective avec un système hyper robuste qui va de toute façon le protéger à vie, et disant bah, « ce n'est pas ma responsabilité, c'est les autres, hein, moi, je ne m'occupe pas de ça ». Et ça, c'est un vrai problème. Et cette problématique remonte. Hein. Vous avez aujourd'hui des gens qui sont sur des zones basses, qui ont parfois, avec des lotissements parfois récents, qui ont des inondations tous les 3 ans et qui râlent en disant « c'est l'État, faites des digues, faites quelque chose ». Donc ça pose un vrai problème de fonctionnement, surtout comme on l'a vu, que ça risque de continuer aujourd'hui encore. Voilà. Alors, juste une dernière question. On a parlé beaucoup d'inondations aujourd'hui et les assureurs sont très présents sur l'aléa inondation, mais moins sur d'autres risques comme les tsunamis, les feux de forêt. Donc, comment ça s'explique? Alors, je voudrais juste dire quand même que, un mot quand même, il y a dans l'équation générale qu'il y a, je voudrais juste finir avec ça, c'est quand même important, il y a les réassureurs. Sur des gros risques, aujourd'hui, les assureurs que vous avez en France ne sont pas capables d'assumer des gros risques. Alors, si c'est 3 maisons, ça va, mais si c'est comme Xintia, on n'est pas capable. Donc, les assureurs se réassurent. Donc, font appel à des grosses structures mondiales qui s'appellent des réassureurs, et donc, ils couvrent une partie de leur risque. Autrement dit, si vous, pour faire court, hein, vous avez des traités, si par exemple c'est un sinistre coûte entre jusqu'à 100 millions d'euros, la Maif ou un autre va couvrir. Si le séisme est à 800 millions d'euros, entre 100 et 800, c'est le réassureur qui va prendre en charge. Sinon, ce n'est pas supportable. Les réassureurs, aujourd'hui, ils vivent et ils supportent ce schéma-là parce qu'ils sont dans une logique de mutualisation au niveau mondial. Autrement dit, vous avez des gros incendies en Californie, mais vous, il ne se passe rien en Asie, ça se passe bien, puisque je vais pouvoir récupérer les sous que j'ai prélevés là pour payer là. Mais si, comme cet été, vous avez des inondations en plein été en Chine, en Allemagne, des incendies de forêt en Californie, en France, en Algérie, etc., etc., à un moment, les réassureurs eux-mêmes diront, nous, on ne peut plus assumer ce risque-là. Et donc, à ce moment-là, les assureurs sont encore plus en difficulté pour faire ce que je vous ai montré. Donc, c'est une vraie question, quand même, qui pose la question des enjeux sur les territoires. Et au-delà de l'action, quand ça se passe, comment faire pour éviter que ça se passe, en tout cas au niveau de la construction. Et pour répondre à la question, et d'ailleurs, Henri de Castries, qui était l'ancien patron d'AXA, disait, au-delà d'un monde entre 2 et 3 degrés de hausse, le monde ne sera plus assurable. Voilà, donc il faut quand même avoir cette idée en tête. On est quand même parti pour faire plus que deux, hein, tel que je vois les choses. Et pour répondre à la question, bah, y a des pays où on parle des sujets qui sont présents dans les pays. Si on était au Japon, on parlerait beaucoup des séismes en termes de risque. Bah, en France, bah, quels sont les séismes qui se voient beaucoup parce qu'ils impactent beaucoup de monde? C'est essentiellement les inondations ou les submersions marines. Même les feux de forêt, bah, on en parle quand il y en a beaucoup, mais on en parle finalement peu parce qu'il y a assez peu d'enjeux, je dirais, d'enjeux humains particuliers qui sont touchés, même dans ce qui s'est passé... cet été, bah, y a beaucoup de forêts qui brûlent, il y a quelques agriculteurs, il y a quelques maisons, mais finalement, ce n'est pas énorme. Et il y a un enjeu dont on ne parle pas beaucoup, qui coûte fort cher à toute la collectivité, c'est évidemment la sécheresse, les retraits des argiles, etc. Et là, il y a des prédictions qui sont assez catastrophiques sur les phénomènes de sécheresse, qui vont coûter très très cher, avec des maisons qui vont se fendiller un peu partout en France. Voilà, pour répondre à la question. Donc c'est pour ça qu'on parle plutôt des inondations en France, mais il y a plein d'autres sujets. Merci beaucoup. On a le temps pour encore une ou deux questions dans la salle. Oui, je vous ai pas passé cette slide. Hein, c'est montre juste que pour l'instant, ça n'existe pas en France. Mais suite aux incendies quand même de 2017-2018 en Californie, où vous vous souvenez, il y a des villes entières qui avaient brûlé, bah, y a environ 350 000 Américains qui se retrouvaient non assurables, non assurés. Personne ne voulait plus les assurer. Donc aux États-Unis, il n'y a pas de mécanisme qui impose l'assurance au moins obligatoire comme il y a en France. Mais on s'est retrouvé dans cette situation-là. Et donc aujourd'hui, ça pose. Celui qui veut aller dans la forêt, il faut qu'il assume que sa maison brûle. Voilà. Oui, bonjour, merci pour cette présentation. Gilles, si tu pouvais revenir sur la... Je ne sais pas si vous m'entendez. Moi, si vous pouvez... si, moi j'entends. Gilles, si tu veux montrer la dernière diapo. J'avais plusieurs questions. En fait, je trouve que d'un côté, vous montrez que l'évolution du coût n'a pas trop augmenté en 30 ans. Pour autant, on est en plein changement climatique et donc il y a des catastrophes et il faut anticiper.
Et après, vous nous montrez la dernière diapo où vous nous expliquez que ceux qui habitent en zone à risque vont payer plus cher d'assurance, ce qui est évidemment la tendance prévue. Et il me semble quand même, pour avoir travaillé un peu sur cette question CatNat il y a 10 ans maintenant, qu'il y a certaines discussions qui reviennent toujours un peu pour l'instant. Je défendrai toujours, moi en tout cas, le système de solidarité nationale. Mais il y a des systèmes différenciés qui existent dans les autres pays d'ailleurs, où on paye plus cher en gros dans les zones à risque, et on paye moins cher dans les zones qui ne sont pas à risque. Quel est votre avis un peu là-dessus? Parce que je pense qu'il y a une pression qui est mise depuis quand même plusieurs années sur ça. Alors c'est une excellente question. Je partage sur le fond l'idée de la mutualisation, parce qu'il y a des gens qui sont aujourd'hui dans des zones depuis fort longtemps et c'est très difficile de les faire bouger. Ça, je partage totalement. Juste quand même sur les éléments budgétaires, les coûts augmentent quasiment d'un milliard d'euros tous les 10 ans aujourd'hui. Hein. Donc on était à 1 milliard d'euros dans les années 80, on est à 4 milliards aujourd'hui. Donc il y a quand même des évolutions fortes. Il y a des effets de réassurance qui permettent d'amortir un certain nombre de choses quand même. Mais je vois pas. Enfin, le risque qu'on a, et je pense que c'est déjà un peu le cas, c'est qu'il y ait des acteurs de l'assurance qui peu à peu, discrètement, parce que ça n'est pas politiquement correct aujourd'hui en France, de dire je démutualise et je segmente. Mais il est fort probable qu'il y ait des assureurs qui travaillent là-dessus et qui aient commencé à segmenter. Et donc il est fort probable que certains s'occupent plutôt de ceux qui ne sont pas à risque et ne s'occupent pas beaucoup de ceux qui sont à risque. On pourrait avoir le même type de raisonnement dans la santé, hein, pour la petite histoire, mais bon. Et donc finalement, tous ceux qui jouent le jeu de la non-segmentation et de la mutualisation vont peu à peu être pénalisés et donc sortir finalement de leur compétitivité économique, même s'ils sont des acteurs vertueux. Et à un moment, ils seront obligés de bouger là-dessus. Et donc, finalement, même si la réglementation n'évolue pas, il est possible que le marché oblige tous les acteurs à évoluer. Et il est possible que certains, en zone basse, hein, il y a des chiffres qui circulent de type à 2050, quelqu'un qui, aujourd'hui, sur une zone à risque, paye 400 euros pour sa maison, peut-être qu'il paiera 1200 ou 1500 euros dans 20 ans. Hein. Voilà. Il est possible que peu à peu, cette solidarité disparaisse et que les écarts de tarifs augmentent. Et là, je donne un point de vue personnel, ce qui est peut-être très bien, jusqu'au bout. Pourquoi? Parce qu'on se rend compte que le seul truc qui fait bouger les gens, malheureusement, hein, c'est l'argent. Et que s'il n'y a pas un mécanisme quelque part qui fait que quand on achète une maison, on se dit, oh oui, mais quand même, j'ai quand même payé plus cher ce truc-là. S'il n'y a pas ce mécanisme qui apparaît, eh ben, il ne se passe pas grand-chose. Par exemple, aujourd'hui, il y a plein de diagnostics pour améliorer votre habitat sur les zones inondables, qui sont financés par les collectivités. Donc il y a plein de gens qui font... Oui, je finis juste avec ça. Il y a plein de gens qui font des diagnostics. On se rend compte que le taux de gens qui font ces diagnostics et qui derrière passent à l'action, même s'il y a des aides très importantes, est extrêmement faible. Il y a une étude INRAE assez récente qui dit que une personne sur deux en zone inondable considère que c'est pas un problème individuel, c'est pas un sujet individuel de gérer ça, et qu'une personne sur deux est prête à faire quelque chose, et que sur cette personne sur deux qui est prête à faire quelque chose, son consentement personnel à payer pour des aménagements individuels ou collectifs n'est pas supérieur à 90 euros. Autrement dit, ils ne pourront rien faire. Donc ça pose cette question aussi. Mais juste sur une petite phrase que vous avez formulée, il y a aussi la logique de se dire, il y a un certain nombre de permis qui ont été autorisés parce qu'il y avait ce système assurantiel depuis les années 80. Tout à fait. Tout à fait. C'est ce repensement-là que je suis d'accord. Il faudrait faire évoluer tout ça, mais ce n'est pas simple dans notre pays. On a une dernière question en haut de monsieur. Oui, une question, c'est sur l'acceptabilité, parce que finalement, au niveau assurance, moi je suis un enfant de la Maïf depuis... C'est bien. Tous les gens acceptent finalement de payer des différences, par exemple sur une voiture, et je me souviens même à l'époque que sur certains types de voitures, dans les années 80, suivant que la voiture était rouge, noire ou d'une autre couleur, elle était pas plus chez nous, pas chez nous, ça existe, pas chez nous. C'est pour ça que je suis un enfant de la Maïf, mais je sais que déjà d'autres assureurs le faisaient. Ouais. Donc pourquoi, à votre avis, votre point de vue assureur, dire effectivement les gens acceptent cette segmentation sur d'autres produits comme la voiture ou des choses comme ça, où finalement on pourrait dire bah, voilà, chacun choisit d'avoir, je sais pas, une petite voiture, une grosse voiture, bon, finalement on emprunte les mêmes routes, on fait les mêmes choses, bon, la valeur
valeur de la voiture a un peu de différence, mais les risques globalement sont les mêmes. Et pourquoi finalement ils n'accepteraient pas sur leur habitation ? Alors sur la voiture, c'est le même type d'acceptation, c'est-à-dire que si vous avez une grosse voiture, votre cotisation elle est plus élevée que si vous en avez une plus petite, parce qu'on prend en compte à la fois le risque, mais on prend aussi en compte l'enjeu, c'est-à-dire ce qu'il va falloir rembourser. Si vous avez une voiture très techno et qu'elle coûte 50 000 euros, vous n'avez pas payé la même cotisation que pour une vieille Renault 5. Ça, il accepte parce que sur le critère qui est celui du risque d'accident, on segmente peu, c'est-à-dire qu'on considère que tous, on est susceptible d'avoir un accident, ce qui est la réalité. On pourrait segmenter sur d'autres critères de santé, d'alcoolisme, etc. Mais on ne le fait pas. Mais on a cette constatation. Mais là, dans ce cas-là, ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que vous êtes dans des schémas où quelqu'un, par exemple, vous savez à l'avance, pour prendre l'exemple de quelqu'un qui conduirait, que quelqu'un va avoir un accident tous les ans. Donc là, ce n'est plus le même sujet. C'est-à-dire qu'il n'a pas la même probabilité que les autres d'avoir un accident. Ce n'est plus du tout la même chose. Donc aujourd'hui, on fait comme si tout le monde avait la même probabilité d'avoir une inondation. Un assureur automobile, vous avez 3 accidents en 2 ans, il ne vous assure plus. Hein. Il va vous augmenter vos tarifs d'abord. C'est possible. Ça dépend de vos accidents, je crois. Il faudrait dire accident responsable, je pense. Encore un débat passionnant a priori. Je vous laisse le poursuivre pendant la pause repas. Merci, monsieur. Merci Rico. À tous. Merci à tous les intervenants. Merci à tous nos intervenants. Merci à tous nos intervenants de nous être...